Bien, bonjour à, à toutes et à tous. La commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergique de la France a l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur Lionel Jospin. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions sincèrement d'avoir accepté de venir exposer les principaux éléments de la politique énergétique que vous avez menée entre 1997 et 2002, euh, à l'époque où vous étiez Premier ministre. Période qui fut caractérisée sur le plan politique. Par une troisième cohabitation sous l'autorité du président de la République, Jacques Chirac, et par une coalition gouvernementale. Celle ci s'est manifestée notamment par la présence dans votre gouvernement de ministres appartenant au parti Les Verts. La commission d'enquête procédera d'ailleurs prochainement à l'audition de madame Dominique Voinet, qui a bien voulu également euh, se présenter aux membres de la Commission avec ses analyses. Comme vous l'avez souhaité, cette audition se cantonnera à des échanges sur la politique énergétique conduite au cours de vos fonctions de Premier ministre, soit de 1997 à 2002. Je demanderai donc aux membres de la Commission de bien vouloir respecter cette période. Il m'appartient de, de donner, en guise de propos introductifs, quelques éléments de contexte. Au cours des précédentes auditions organisées par notre Commission d'enquête, ont été évoqués deux événements importants la fermeture définitive de Superphénix et le Sommet de Barcelone de 2002, en faveur de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz. D'autres éléments de contexte peuvent également être relevés. Ainsi, lors de la déclaration du gouvernement sur la politique énergétique organisée le 20 janvier 1997 à l'Assemblée nationale, M. Christian Pierret, secrétaire d'État à l'Industrie, a posé le principe du « ni tout, ni tout » ni tout électrique, ni tout gaz ou énergie fossile, ni toute énergie nouvelle, et expérimenter la volonté gouvernementale de mieux associer le Parlement au choix énergétique, tout en dessinant une nouvelle perspective visant à confier à une autorité indépendante la question de la sûreté nucléaire. Le protocole de Kyoto avait été signé en 1997. L'Allemagne s'acheminait vers la sortie du nucléaire, scellée par un accord entre le gouvernement et les électriciens sur la fermeture progressive des centrales en juin 2000. On verra que l'histoire aura peut-être fait un peu traîner cette date. Au 1er janvier 1999, 74% du parc français avait entre 11 et 20 ans, 6% entre 21 ou 22 ans et 20% moins de 10 ans. Au cours de vos fonctions, diverses études comportant des scénarios ont été produites, émanant notamment du commissariat général au plan. La commission énergie 2010-2020 avait exploré les, je cite, chemins d'une croissance sobre et les défis du long terme. Mais ce sont les travaux que vous avez confiés à René Pella, haut commissaire à l'énergie atomique en mai 1999, qui sont susceptibles de retenir plus particulièrement l'attention de notre commission avec le rapport dit Charpin-Déçu-Pella. Il s'agissait d'une étude économique prospective de la filière nucléaire y compris le retraitement, qui abordait la question de la durée de vie des centrales à l'horizon 2050. À cet, à cet horizon, le scénario haut tablait sur une consommation de 720 TWh, alors que le scénario bas misait sur une consommation de 535 TWh, la capacité nucléaire en 2050 étant estimée, selon les scénarios, entre 33 et 85 GW, à comparer aux 63 GW disponibles en 2000. Le rapport étudiait en effet à la fois les technologies de maîtrise de la demande d'électricité et les technologies de production électrique de l'amont à l'aval du cycle pour ce qui se concerne la filière nucléaire. Votre audition, Monsieur le Premier ministre, devrait ainsi nous éclairer sur les moyens dont disposait alors le gouvernement pour définir une stratégie énergétique. Je crois par ailleurs utile de rappeler que François Roussely, auquel nous souhaitons une nouvelle fois rendre hommage, dirigeait EDF au cours de cette période. Avant de vous donner la parole, Monsieur le Premier ministre, il me revient de vous demander, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de vous demander de bien vouloir prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et dire je le jure. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et je vous laisse donc la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, sachez que j'ai plaisir à me retrouver devant une instance parlementaire, même si l'exercice qui nous réunit aujourd'hui est particulier. J'ai en effet fait vécu des années passionnantes à l'Assemblée nationale, d'abord comme député, puis au banc du gouvernement. Pendant deux décennies, de 1981 à 2002, il y a décennies. N'étant pas doté d'hypernésie, la préparation de votre audition m'a conduit à redécouvrir le passé, ce qui n'a pas été déplaisant et m'a obligé à beaucoup travailler, ce qui à mon âge est peut-être salutaire. Ne voyez dans cette dernière phrase aucune allusion au dossier des retraites sur lequel naturellement je ne m'exprimerai pas. Avant de vous retrouver, j'ai eu des échanges avec plusieurs de mes anciens conseillères et conseillers à Matignon et avec celui qui fut mon ministre de l'Industrie pendant cinq ans, Christian Pierret, que vous avez cité. Je me suis même rendu à Pierrefitte, aux Archives nationales, pour consulter mes fonds qui y sont déposés. J'ai fait mien le sujet de votre enquête, établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance de la France. Quant à l'exposé introductif qui m'a été demandé, vous accepterez, vous y avez fait allusion monsieur le président, qu'il soit centré sur la période pendant laquelle j'ai gouverné de 1997 à 2002. À cette date, j'ai quitté la vie politique et mon expression publique est devenue rare et mesurée. À l'occasion de cette audition, je ne souhaite pas me départir de l'attitude réservée qui est désormais la mienne. En conséquence, pour ne pas me laisser entraîner sur le terrain de controverses, je ne m'exprimerai pas sur les politiques de l'énergie suivies par mes successeurs, des politiques dont je ne suis pas comptable. Il en ira bien sûr différemment pour le temps où j'ai gouverné. Comme ancien Premier ministre, j'ai à répondre de la politique énergétique. Qui a été alors poursuivi. Comme nous étions en cohabitation, nous avons respecté les prérogatives du président de la République Jacques Chirac, en particulier dans le champ de la politique étrangère et européenne. Pour autant, dans cette période, l'article 20 de la Constitution s'appliquait pleinement et mon gouvernement a effectivement déterminé et conduit la politique de la nation. Il le faisait d'ailleurs dans une relation étroite avec le Parlement, en particulier avec l'Assemblée nationale, où il a toujours disposé d'une majorité avec laquelle il dialoguait, tout en respectant l'opposition. Étant responsable de la politique alors menée, je répondrai à votre questionnement avec le souci de la transparence. Et dans le respect du serment que j'ai prêté il y a quelques instants. Je garderai à l'esprit, bien sûr, l'interrogation centrale qui est la vôtre et qui a trait à la souveraineté et à l'indépendance énergétique de la France. J'en viens au fond. La maîtrise de l'énergie est, depuis la révolution industrielle, cruciale pour la vie des nations. On le voit aujourd'hui dans le cas extrême de la guerre quand l'agresseur russe cherche à écraser le système électrique de l'Ukraine. Mais c'est vrai aussi en temps de paix puisqu'il s'agit, comme nous l'avons voulu, de fournir à notre économie une énergie compétitive et à nos concitoyens une énergie abordable. Aujourd'hui, Selon les chiffres de 2020, la consommation française d'énergie primaire est à environ 40 en énergie nucléaire, à 47 en énergie fossile, charbon, pétrole, gaz naturel, et à 13 en énergie renouvelable. Or, la France ne dispose plus, dans son sous-sol, des énergies fossiles et de l'uranium, lui permettant d'être strictement indépendante. Elle doit construire sa souveraineté, sa sécurité énergétique, pour partie par des alliances économiques et militaires, et aussi par des accords bilatéraux avec des pays producteurs d'énergie primaire. La création de votre commission vient ainsi à point nommé pour rappeler l'importance de ces données et de ces problématiques à nos concitoyens. Je structurerai mon propos autour des trois sources d'énergie évoquées plus haut. Je traiterai du nucléaire en premier et le plus longuement, non seulement parce qu'il semble au centre de vos préoccupations, mais aussi parce qu'il est le secteur où l'État, stratège, régulateur et actionnaire industriel, où les responsabilités, oui, sont majeures. Je parlerai ensuite des énergies fossiles dont nous restons dépendants. J'évoquerai enfin les énergies renouvelables dont nous espérons davantage. Dans ces trois champs, mon gouvernement a agi avec sérieux et a cherché à se montrer prévoyant. Il a été guidé aussi par la préoccupation d'apporter à nos concitoyens une énergie fiable et abordable pour tous. C'est pourquoi avec le recul du temps, je pense pouvoir dire, en réponse aux interrogations légitimes qui sont les vôtres, que la politique conduite entre 1997 et 2002 n'a pas entraîné une perte de souveraineté et d'indépendance énergétique pour la France. Dans le domaine du nucléaire, la politique de mon gouvernement s'est naturellement inscrite dans un continuum historique. Quand le monde est entré dans l'ère atomique en 1945, c'est une volonté d'indépendance qui a conduit le général de Gaulle et la 4 République à lancer un programme nucléaire. La France s'est dotée d'une arme de dissuasion et d'une filière d'enrichissement de l'uranium d'utilisation civile, notamment pour produire de l'électricité. Le premier choc pétrolier en 1973 sous le gouvernement de Pierre Messlemaire, puis la présidence de Valérie Giscard d'Estaing, a provoqué une puissante accélération du programme nucléaire civil visant à rendre la production d'électricité moins dépendante des approvisionnements pétroliers du Proche Orient. Cette politique a été poursuivie à un rythme plus modéré en raison de l'évolution des besoins sous les présidences de François Mitterrand. En 30 ans, de 1971 à 2002, la France s'est équipée de 58 réacteurs nucléaires. Les derniers ont été mis en service entre 1997 et 2002. Quand nous arrivons aux responsabilités en 1997, le parc nucléaire fournit plus de 75% de l'électricité française. Cette situation semble excellente pour l'indépendance du pays, mais elle se heurte à deux difficultés. La première est technique. Les centrales nucléaires sont adaptées aux consommations dites de base, constantes, par exemple pour fournir des usines, mais elles sont moins adaptées pour les consommations de pointe, par exemple, un pic de consommation par grand froid, pour lesquels il est préférable de produire de l'électricité avec de l'hydraulique ou du gaz. L'autre difficulté touche à la sécurité des approvisionnements. Idéalement, il est souhaitable de répartir les risques entre plusieurs énergies primaires. La trop grande dépendance à une seule source peut être problématique. On l'a vu encore tout récemment, en 2022, avec l'excessive dépendance de l'Allemagne au gaz russe, ou, dans une moindre mesure, avec les défaillances de soudure détectées dans certaines centrales françaises, mettant plusieurs tranches à l'arrêt et faisant craindre des coupures d'électricité dans l'hiver 2023, qui heureusement semble ne pas devoir se produire. En outre, deux changements de nature très différentes vont venir perturber. Le système énergétique français dans les années 80 et 90. Le premier est le choc provoqué dans les opinions publiques par les accidents nucléaires de Three Miles Island en 1979 aux États-Unis et à Tchernobyl dans l'Ukraine soviétique en 1986. Une méfiance à l'égard du nucléaire s'est exprimée dans une partie de la population en France, et avec plus de force encore dans d'autres démocraties européennes, cela a contribué à la montée en puissance du courant de l'écologie politique. Ce sera l'une des raisons de la décision allemande ultérieure d'arrêter le nucléaire après l'accident de Fukushima en 2011. L'autre changement naît d'une évolution. La construction européenne, fondée sur la libre circulation des biens et des services entre pays européens, a remis en cause le modèle industriel français de monopole qui, dans l'énergie, avait conduit aux organisations de DF, de GEMA, de Framatome et du CEA. L'acte unique européen accepté par le président Mitterrand et le chancelier Kohl, et entré en vigueur en 1987, a inclus les services publics à la française dans le processus d'intégration européenne. La négociation des directives qui s'en est suivie régulant le marché intérieur de l'électricité, qui ont démarré en 1990, ont abouti à un accord en 1996 sous la présidence de Jacques Chirac tel est le contexte quand les élections législatives de 1997 portent une nouvelle majorité aux responsabilités. pendant les cinq années de mon gouvernement, le nucléaire sera une composante essentielle de la politique énergétique du pays. nos actions dans le champ du nucléaire civil viseront donc à renforcer la filière industrielle et à lui redonner sa crédibilité dans l'opinion, je vais énumérer brièvement maintenant ces actions. Certes, nous avons fermé Superphénix. À ceux qui ont dit que ce choix était strictement politique, je répondrai ceci. En annonçant cette intention dans l'accord signé avec les Verts, nous avons informé dûment l'opinion avant les législatives et les électeurs ont fait leur choix. Car la politique, c'est aussi instaurer une relation de confiance avec les citoyens par la transparence. En outre, en démocratie, dirait-on que les choix énergétiques qui engagent un pays sur des dizaines d'années sont purement techniques et non pas politiques Ce serait singulier. Pour autant, les raisons de la fermeture de Superphénix ont été avant tout industrielle. La technologie du surgénérateur était séduisante théoriquement. Le plutonium obtenu lors de l'utilisation de l'uranium dans les centrales classiques laissait espérer un usage comme combustible pour produire de l'électricité dans la filière du surgénérateur. En outre, la transmutation espérée des matières nucléaires semblait ouvrir une voie à l'élimination des déchets. Mais la centrale dite sur-générateur lancée à Cres en 1977 et terminée en 1987 était un échec industriel. Elle n'avait jamais fonctionné de façon stable. Elle avait subi incident sur incident et connu de longs arrêts de fonctionnement. Les technologies employées étaient risquées puisque le sodium explose au contact de l'eau et elle n'était pas maîtrisée, après 20 ans d'efforts. Le projet, qui devenait lourd financièrement pour EDF, ne promettait pas le succès. Par contre, les recherches sur la transmutation des déchets nucléaires ont été poursuivies par la relance du réacteur Phoenix. <coughs> en outre, la fermeture de Superphénix ne fragilisait pas la sécurité énergétique du pays. Notons en effet que le projet Astrid de réacteur à neutrons rapides repris par le CEA en 2010 a été à son tour arrêté. 25 ans après notre décision, cette technologie n'a prospéré dans aucun pays occidental, notamment pas aux États-Unis et au Japon qui l'avaient explorée. Même si elle semble avoir, si, si semble-t-il, elle a débouché en Russie et peut-être en Chine dans des conditions que nous ne connaissons guère. Ainsi, solder l'échec industriel était une décision rationnelle et raisonnable qui ne portait atteinte ni à la dépendance ni à la souveraineté énergétique du pays. Après cette décision que j'assume pleinement, nous avons engagé de nombreuses actions pour sécuriser la filière nucléaire française et assurer la crédibilité de l'État dans ses responsabilités de contrôle. Nous avons renforcé la filière MOX, qui permet de mélanger des oxydes de plutonium et d'uranium pour réduire la quantité de plutonium dite sur étagère. Elle est une compétence française de pointe dans le monde et elle permet de réduire notre dépendance aux importations d'uranium. Dans la période 1997, cette technologie a été introduite dans dix tranches nucléaires supplémentaires. Nous avons préparé l'aval du cycle. On le sait, l'une des critiques principales adressées au nucléaire est l'accumulation de déchets radioactifs. En décidant la création du laboratoire de Bure dans des terrains argileux étanches, nous avons permis d'étudier dans le détail la possibilité de stocker de manière réversible les déchets à haute activité et à vie longue, en limitant au maximum le risque d'exposition pour les générations futures. Nous sommes sans doute devenus le pays nucléaire le plus avancé au monde. Sur la question de l'aval du cycle, nous avons intégré CRT nucléaire et radioprotection. En France, la sûreté nucléaire, c'est-à-dire la maîtrise des risques industriels, était assurée par des organisations solides à la compétence reconnue. En revanche, la radioprotection, c'est-à-dire la maîtrise des risques pour la santé des populations, était sous-équipée. Elle répondait malaisément aux inquiétudes de l'opinion. On l'avait constaté au moment de l'accident de Tchernobyl. Mon gouvernement a donc décidé de rapprocher la sûreté nucléaire et la radioprotection en réunissant les deux missions. Par la création en février 2002 de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, la radioprotection et l'attention portée aux risques pour la santé ont été renforcées. Nous avons ainsi redonné de la crédibilité aux autorités publiques de contrôle et plus largement à la parole de l'État, d'autant que parallèlement, nous avons lancé la création d'une autorité de contrôle indépendante. C'était indispensable car, dans l'opinion, se répandait l'idée que les organismes de contrôle placés sous l'autorité des gouvernements pouvaient être soumis à leur influence et ne pas être suffisamment crédibles. Pour des raisons administratives diverses, cette autorité indépendante, l'autorité de sûreté nucléaire, a finalement été créée par une loi le 13 juin 2006, donc après la fin de mon gouvernement, mais. C'était le prolongement de notre initiative et cette loi a été votée de manière consensuelle au Parlement, à l'Assemblée comme au Sénat. Nous avons préparé la nouvelle génération des centrales nucléaires. Dans la période 1986-17-2002, la France arrivait à la fin d'un cycle de 30 ans de construction nucléaire, de centrales nucléaires. Nous avons en effet mis en service commercial deux nouvelles centrales, celles de Chaux et de Civaux, et nous avons poursuivi les études nécessaires pour préparer la génération future de centrales nucléaires, les EPR, destinées à compléter ou remplacer les premières centrales nucléaires mises en production à la fin des années 1970. Nous avons renforcé les acteurs du nucléaire, comme Kogema et Framatone, en réorganisant leur axonia, leur actionnariat. La filière française d'enrichissement et de retraitement était un leader mondial qui exportait son savoir-faire dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et en Japon. Elle a été à un moment fragilisée par le refus du gouvernement allemand de reprendre les déchets de son industrie nucléaire retraitée à La Hague. Après une négociation difficile avec le gouvernement fédéral, dans laquelle je suis personnellement intervenu et je peux vous le dire avec force auprès de Gerhard Schröder, le chancelier allemand, nous avons obtenu la reprise des transports de déchets de la France vers l'Allemagne, ce qui restaurait des marges pour l'entreposage des déchets et a redonné de la visibilité aux industriels. Nous avons également stabilisé l'actionnariat de Framatome après le retrait de plusieurs industriels d'anciens minces en l'adossant à Kogema, créant ainsi un industriel public dont la taille était adaptée aux investissements à venir, même si sa structure ensuite a beaucoup bougé. Nous avons correctement intégré le système électrique français dans son environnement européen, conformément aux engagements pris par deux présidents, François Mitterrand avec l'acte unique et Jacques Chirac avec l'adoption de l'active directive européenne de 1996. Ainsi, le Parlement a-t-il adopté la loi de régulation de l'électricité du 10 février 2000, dite loi Pierret ouvrant de façon limitée le marché français à la concurrence européenne. Nous l'avons fait en renforçant le service public de l'électricité sans fragiliser la filière nucléaire. Nous avons maintenu le monopole dit naturel du réseau électrique au sein d'EDF sous le contrôle d'une autorité indépendante de régulation et nous avons ouvert la concurrence européenne. À la concurrence européenne, pardon, la fourniture d'électricité aux gros consommateurs industriels et à eux seuls. En outre, cette loi a mis en place le financement du service public d'électricité, permettant à tous d'accéder à cette énergie à un coût abordable. Ce dispositif, bien calibré pour la filière française a d'ailleurs permis à EDF d'accroître ses positions en Europe et dans le monde en tirant parti de son avantage compétitif nucléaire. Quant aux décisions de régulation critiquées aujourd'hui, aucune, et notamment pas l'obligation faite à EDF de revendre l'électricité nucléaire à prix coûtant à ses concurrents, ne date de mon gouvernement ni ne peut trouver sa cause dans des décisions prises par lui. J'espère donc vous avoir montré que pendant cinq ans, nous avons agi avec esprit de responsabilité et prévoyance pour préserver la filière nucléaire et son avenir sans affaiblir la souveraineté et l'indépendance énergétique de notre pays. J'évoquerai maintenant plus brièvement les énergies fossiles charbon, pétrole, gaz naturel. Et la façon dont mon gouvernement les a appréhendés. Naturellement, la réalité du réchauffement climatique était connue alors, même si le rythme d'accélération du phénomène et la perception collective de ses dangers étaient moins aigus. Toutefois, les énergies fossiles représentaient encore à l'époque plus de 50% de la consommation totale de la France avec des secteurs comme l'ex transport où aucune solution alternative n'existait à l'époque notre politique a donc consisté à marier la préparation de la transition énergétique vers des énergies non carbonées et la sécurisation de nos approvisionnements en énergie fossiles nous avons donc réduit la consommation de charbon la source la plus importante d'émissions de carbone dans l'atmosphère nous avons fermé les mines de Carmo, d'Alès et de Gardanne, tout en organisant le réaménagement des sites et la formation des enfants des mineurs à de nouveaux métiers. Nous avons également fermé la centrale à charbon de Pinchot. Nous avons en outre sécurisé et diversifié nos approvisionnements pétroliers et gaziers par des accords avec des pays producteurs. Notamment au Venezuela, en Angola, en Arabie Saoudite et en Iran, en entendant même dans ces deux derniers pays un pourcentage garanti de certaines de leurs réserves. Nous avons travaillé à la création de nouvelles routes d'enlèvement de pétrole d'Azerbaïdjan afin d'en sécuriser l'approvisionnement. Nous avons également participé à des négociations internationales avec les pays producteurs afin de limiter la hausse potentielle des prix du pétrole, et ce, à des niveaux extrêmement bas. Il est vrai que c'était dans un tout autre contexte que celui d'aujourd'hui. Dans ce secteur, nous avons, là encore, cherché à renforcer les acteurs. Ainsi, avons-nous accompagné la fusion entre Total et Elf en 1999 alors que le duel fratricide des deux entreprises crée le risque d'une prise de contrôle par un industriel étranger. Si Total est aujourd'hui un acteur essentiel de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier et gazier français, mais aussi désormais une entreprise engagée dans la transition énergétique, c'est bien parce que nous avons œuvré à la création de ce champion national doté d'une grande capacité d'investissement. Ce rappel de la volonté qui a été la nôtre de sécuriser nos approvisionnements tout en préparant la transition énergétique me conduit, pour finir, à parler des énergies non carbonées. Cinq ans après la conférence de Rio en 1992, la deuxième grande conférence internationale sur le changement climatique a eu lieu en décembre 1997 à Kyoto. Nos délégués ont été très actifs dans la négociation et la ratification du protocole de Kyoto fut repérée par la loi du 10 juillet 2000. Tirant les leçons de cette négociation, nous avons commencé à associer étroitement les scientifiques à nos équipes de diplomates. Rattrapant ainsi un retard par rapport aux structures mises en place chez nos grands partenaires. Nous avons amorcé la transformation de l'action extérieure de la France en matière de développement durable. Ces idées seront reprises et mises en œuvre par nos successeurs. La jonction et la mobilisation de ces compétences seront utiles plus tard lorsqu'il s'agira de négocier l'accord de Paris. Toujours à Kyoto, la France a défendu le principe d'une taxe carbone et le soutien du financement de la transition dans les pays en développement. Si la taxe carbone n'a pas abouti à cause des divergences intereuropéennes, mon gouvernement a préparé dès après Kyoto la mise en place du marché européen des droits d'émission, qui est aujourd'hui l'instrument principal de la politique climat de l'Union européenne. Nous l'avons fait en associant les énergéticiens et les acteurs industriels français à la préparation de ce marché. En 1997, nous avons renforcé la mission interministérielle sur l'effet de serre, placée auprès du Premier ministre. Cette structure a joué un rôle majeur pour la mise en cohérence des politiques menées dans chaque département ministériel. Elle a montré que la lutte contre le changement climatique touchait tous les secteurs, agriculture, transport, où nous avons privilégié le rail, bâtiments, aménagement du territoire, économie numérique, etc., et qu'elle devait concerner chacun en France. Nous avons finalisé en 2000 le premier programme national de lutte contre le changement climatique. Destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la période 2000-2010. C'est l'ancêtre du plan climat. En 2000 encore, un grand plan d'énergie a été lancé pour répondre à la hausse des prix du pétrole du moment, mais aussi dans un but de lutte contre le réchauffement. Les moyens de l'ADEME ont augmenté de plus de 50% dans les cinq années de mon gouvernement. En outre, sur une initiative parlementaire, le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité le 17 février 2001 la loi qui modifie le Code de l'environnement et qui, dans son article premier, confère à la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique le caractère de priorité nationale. Nous avons ainsi créé l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, chargé de collecter et de diffuser des informations et de formuler des recommandations à destination du gouvernement et du Parlement. Si j'ai déjà longuement parlé de la première des énergies non carbonées, le nucléaire, nous étions conscients dès 1997-2002 de l'ardente obligation de faire évoluer notre système énergétique national vers une complémentarité du nucléaire et des énergies et des énergies renouvelables pour progressivement remplacer les énergies fossiles. La première de ces énergies renouvelables est bien sûr l'hydraulique. Ici, nous avons organisé la transformation de la compagnie nationale du Rhône en producteur d'électricité hydraulique de plein exercice, en partenariat avec un autre énergéticien français, Suez, ce qui a sécurisé et stabilisé le secteur de l'hydraulique. La deuxième ressource est l'éolien. Il était encore à l'époque au stade embryonnaire. Nous avons adopté en 2001 un décret volontariste conduisant EDF à acheter l'électricité éolienne à un prix sécurisé à l'avance, 55 centimes d'euros le kilowattheure pendant cinq ans, puis une rémunération décroissante sur dix ans. En ce qui concerne l'énergie photovoltaïque, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service de l'électricité a instauré un mécanisme d'obligation d'achat de la production d'électricité photovoltaïque en vue d'intéresser les particuliers et de rentabiliser leur investissement. Plus globalement, c'est pendant la présidence française et sous son impulsion que l'Union européenne a adopté une directive fixant pour la première fois des objectifs chiffrés sur les ENR. Au plan national, la loi d'aménagement et de développement durable du territoire de 1999, dite loi Voinet, a instauré les premiers exercices de prospective énergétique territoriale française. Il est vrai qu'ils ne survivront pas à l'alternance. En conclusion, j'espère que cette introduction vous aura éclairé sur l'état d'esprit qui nous a animés pendant nos cinq années de responsabilité gouvernementale, elle vous aura aussi rappelé les réalisations qui ont été les nôtres. Aujourd'hui, s'il m'est permis de nous projeter vers l'avenir, je me réjouis que la technologie prometteuse de la fusion nucléaire, dans le cadre du large projet international de recherche et d'ingénierie ITER, et trouver en France sa principale installation, j'y vois la reconnaissance de l'excellence française que nous nous sommes efforcés de servir. L'énergie est un secteur de l'activité humaine qui s'inscrit dans la longue durée, mais où surgit parfois l'impératif de décision rapide. À ces deux échelles du temps, l'une qui implique la prévoyance, L'autre qui impose la réactivité. Mon gouvernement a voulu servir le pays, œuvrer à la compétitivité de notre économie, améliorer le sort de nos concitoyens et sauvegarder la souveraineté et l'indépendance de la France. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, pour ce propos introductif euh, précis et, et pour. Euh les travaux préparatoires que celui-ci euh, reflète. Euh, J'aurais une première question d'ordre très général. Euh, finalement, quelle est la place de la question énergétique dans les préoccupations, dans l'ordre des priorités, en quelque sorte, de votre, de votre gouvernement dans cette période entre 1997 et 2002 Histoire de nous repositionner un peu euh, dans, dans le contexte, euh, vraiment. C'est une période qui a duré cinq ans et dans laquelle le gouvernement que je dirigeais et la majorité qui m'a appuyé constamment ont agi sur des plans extrêmement différents. Il est bien évident que la façon dont nous nous sommes investis dans la lutte contre le chômage, qui était une priorité, dans la confection de la loi sur les 35 heures, dans les emplois jeunes, euh, a été une dimension euh, extrêmement importante. Euh, dans d'autres domaines encore, des domaines euh, sociaux, des domaines sociétaux, nous avons agi. Euh, mais en même temps, pour nous, l'énergie était euh, le soubassement sur lequel pouvait s'appuyer l'industrie française euh, et, et, et nous avons donc considéré que c'était un, un élément essentiel de notre politique. J'ai eu la chance d'être entouré par des conseillers euh, et conseillères qui étaient de, de très bonne qualité, euh, dont les noms peuvent être d'ailleurs maintenant connus, compte tenu des, des responsabilités qu'ils ont exercées. Euh, mais je ne les citerai pas, bien sûr. Et puis j'ai eu un très bon ministre. Et il était secrétaire d'État euh, parce que je voulais un gouvernement resserré. Donc il ne pouvait pas y avoir plus de 15 ministres. Mais il avait véritablement... Une fonction pleinement ministérielle, Christian Pierret, dont je crois d'ailleurs euh, qu'il serait tout à fait disposé à vous, venir devant votre commission, euh, car il est plus technicien que moi, euh, de ces sujets, euh, si vous souhaitiez éventuellement, pour tel ou tel point que vous avez écouté, j'ai vu le rapport peu là, euh, je ne suis pas sûr que j'ai relu entièrement, malgré euh, le temps que j'ai consacré à la préparation de cette audition. Le rapport peut mais donc il est aussi à votre disposition. Donc c'était pour nous quelque chose d'essentiel. Et ça a d'ailleurs été peut-être une des raisons d'un quiproquo sur la tonalité ou les orientations de notre politique énergétique. Après tout, ça a commencé par une première annonce qui était la suppression de Superphénix, mais sur laquelle je suis évidemment prêt à en revenir en dehors de ce que j'ai dit dans mon intervention. Donc, euh, oui, le, le, à, la, à la confluence de la politique nationale, de la politique industrielle euh, que nous avons conduite et qui fait que, euh, en cinq ans, euh, les emplois industriels en France sont restés stables, c'est un chiffre important ou une donnée importante que je veux rappeler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décroissance pendant cette période des emplois industriels, indépendamment des mesures sociales que nous avons prises. Et je pense que c'est en partie dû euh, à la capacité de euh, l'infrastructure énergétique française euh, que nous nous sommes efforcés de servir. Donc, euh, votre question est très générale. Je ne sais pas si je la cadre suffisamment. Mais, comme je vous l'ai dit, ça a été pour nous un point essentiel. Et, et d'ailleurs, il y avait plusieurs de mes ministres, euh, Christian Pierret, bien sûr, Dominique Voynet, naturellement, ils ont dialogué souvent, mais aussi euh, Dominique Strokskan, en tant que euh, ministre de l'économie, et celui qui lui a succédé, euh, Claude Allègre, euh, qui était un physicien, euh, et qui s'occupait de la recherche, notamment. Donc, euh, vraiment, il y avait des, des personnalités importantes du gouvernement qui étaient extrêmement attentives à ces sujets et qui ont constamment dialogué. Mmh le plus souvent, euh, évidemment, sous mon autorité et pour des arbitrages pendant cette période. Alors, au début de, de votre gouvernement, euh, il y a euh, le protocole de Kyoto qui est, qui est adopté. Euh, est-ce que ça marque un tournant, une bifurcation, ou est-ce que c'est plutôt une poursuite d'enjeux de, en, autour des gaz à effet de serre qui étaient déjà perçus et seconde question, euh, dans la, enfin question dans la question, euh, comment est à, à l'époque perçu le nucléaire dans la perspective de ce qu'on appelle alors, il me semble, la lutte contre les gaz à effet de serre On peut parler peut-être moins de décarbonation comme on en parle aujourd'hui. Non, je ne parlerai pas d'une rupture. Ce serait peut-être euh, se vanter euh, à l'excès. Euh, il y avait déjà une, la conférence de Rio. On était dans un processus de prise de conscience. Euh, simplement le fait d'avoir euh, une ministre de l'Environnement importante euh, qui euh, s'est inscrite dans cette négociation, dans cette discussion, a, a certainement positionné la France d'une certaine façon. Et comme je l'ai dit, la capacité que nous avons eue à, à progressivement intégrer euh, à nos diplomates des équipes scientifiques, a changé aussi la, la vision des choses, si vous voulez, et, et notamment la diplomatie française dans le domaine de l'environnement. Non, sur ce terrain, euh, aussi parce que la prise de conscience, elle était moins aiguë qu'aujourd'hui, nous, nous sommes inscrits dans, dans un processus. Euh, nous n'étions pas encore, ou nous ne croyions pas encore à l'époque, être dans la phase de l'accélération. Qui est, qui est maintenant en train de se produire sous nos yeux. Et quant au nucléaire, euh, ben, c'était une énergie non carbonée. Les problèmes du nucléaire euh, sont bien évidemment la production de déchets, sont aussi les problèmes de sécurité. Euh, C'est une énergie euh, qui n'est pas dangereuse tant qu'elle est sûre, mais qui peut être potentiellement dangereuse. Les accidents l'ont démontré. Et donc, euh, ce, ce nucléaire, pour nous, euh, il, il jouait un rôle essentiel euh, de, de ce point de vue, même si des enceintes telles que de, celle de Kyoto n'étaient peut-être pas celles où euh, cet argument pouvait être développé avec le plus de lyrisme. Oui, parce qu'on retrouve des, des déclarations de, de cette époque-là, où notamment votre ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Voinet, euh, explique à quel point peut-être que le charbon peut encore être une énergie d'avenir pour se substituer au nucléaire qui est dangereux. C'est un peu contradictoire finalement avec ce que vous venez de dire sur la perception déjà de, du nucléaire comme une énergie décarbonée et de l'enjeu de la décarbonation. Normalement, euh, Mme Voider aurait dû déjà répondre à cette question avant que cette audition n'ait lieu. Euh, son édition a été décalée. Euh, je lui laisserai peut-être le soin de, de répondre sur ce point particulier. Euh, de toute façon, euh, les données de l'énergie nucléaire restent les mêmes. Quant à la réalité du charbon et de ses, son dé, ses dangers euh, du point de vue du réchauffement climatique, elle est absolument avérée aujourd'hui. Alors, dans votre propos introductif, vous avez présenté la, la décision de la fermeture de Superphénix comme euh, une décision euh, d'ordre industriel. Euh, si j'ai bien écouté les, les propos qui mmh. ont été les vôtres. Euh, pourtant, euh, les éléments semblent faire quand même apparaître que euh, Superphénix était un enjeu d'accord euh, politique, euh, puisque euh, vous avez aussi précisé que c'était dans, dans votre programme commun. Euh, et euh, d'arbitrage interministériel avec des oppositions à l'époque fortes, notamment de votre ministre de l'économie et de l'industrie, enfin Dominique Strauss-Kahn, je ne sais plus quelle était la, la délégation exacte, qui semblait plutôt favorable au, au maintien de Superphénix. Est-ce que c'est vraiment une décision industrielle ou c'est plutôt le volet programmatique euh, euh, et euh, équilibre de la, la gauche plurielle qui, euh, qui détermine ce choix j'ai commencé à répondre sur ce point, mais je vais euh, préciser mon propos et en même temps d'abord l'élargir. Euh, je crois que c'est une erreur profonde à propos du gouvernement euh, que j'ai conduit pendant cinq ans et euh, de l'influence qui aurait exercé euh, les Verts en particulier que de se focaliser justement sur les Verts. Je m'adresse ici à euh, des députés qui sont euh, au fait des réalités politiques. Donc je, je voudrais en rappeler une essentielle et qui touche justement à cette majorité plurielle que vous avez évoquée. Euh, sur les cinq partis qui composent la majorité plurielle qui se constitue en 1997 avec une série d'acteurs euh, bilatéraux, euh, mais qui se constituent fondamentalement à partir de la victoire aux élections législatives. Quatre sont favorables au nucléaire le PS, le PC, les radicaux de gauche euh, et le MDC. Ça, c'est une première donnée. Si vous regardez quelle est la réalité parlementaire à l'époque, il y a à l'Assemblée nationale, dans la majorité, 248 socialistes. 35 communistes. 14 euh, PRG. Parti radicaux. Je n'ai pas entendu votre. Et on a le droit de rêver au passé euh, pour préparer des rêves de l'avenir. Hein bon. Ne m'emmenez pas sur le terrain de la, de la politique d'aujourd'hui. Donc, 14 euh, radicaux de gauche. 9. Euh, 9 euh, MDC et 8 Verts. C'est-à-dire que les Verts représentent à l'Assemblée nationale 8 députés sur les 314 députés qui composent ma majorité. Je peux vous dire une chose. Euh, si la politique que nous avons conduite et, et que j'ai essayé d'illustrer dans mon intervention luminaire avait été en quoi que ce soit négative, pour le secteur nucléaire français, j'aurais eu des problèmes à l'intérieur de cette majorité qui a été constamment cohérente sur les sujets de l'énergie. Donc, euh, les Verts n'ont, à mon sens, pas pesé négativement et je pourrais y revenir si vous voulez qu'on parle de la ministre euh, pour lui adresser quelques compliments euh, euh, avant son audition euh, les Verts n'ont en rien pesé négativement dans le domaine du nucléaire, quelles que soient leurs convictions, et ils ne se sont pas ralliés, évidemment, à l'industrie nucléaire, euh, mais ils ont joué un rôle important sur la question de la sûreté, ils ont joué un rôle utile, même s'il a été un peu ambivalent, sur la question du contrôle, de l'indépendance des autorités de contrôle, parce que les Verts hésitaient un peu. Parce qu'il se rendait compte qu'un des effets d'une autorité de contrôle indépendante était la légitimation de ces observations et donc d'une certaine façon de la filière. Et pendant un temps, peut-être aurait-il été tenté qu'on reste avec la tutelle hiérarchique des ministères, à condition évidemment que l'environnement y occupe une place. Mais ensuite, ils ont joué, y compris dans ce domaine de, euh, des, du contrôle indépendant, un rôle utile. Ils ont aussi, je pense, euh, été utiles sur un autre point, c'est qu'ils ont contribué à aérer un secteur où des décisions de caractère technocratique euh, venues d'en haut étaient quand même l'usage. Et en insistant sur la dimension démocratique des décisions prises, pour qu'elles soient ces décisions, pour qu'elles soient comprises par l'opinion. Et puis enfin, bien sûr, sur les questions environnementales et développement durable, ils ont aussi également été précieux. Donc, euh, je, je voudrais répondre à, à cette fable selon laquelle euh, la présence d'une ministre vert et d'un secrétaire d'État au gouvernement et de huit députés euh, sur plus de 300, euh, dans la majorité, aurait pesé sur la politique énergétique de la France euh, et en particulier sur sa politique nucléaire. Du coup, on a, on a retrouvé euh, la trace d'un Conseil des ministres européens. Quand je dis peser, c'est peser négativement. Hein. Oui. Euh, J'ai dit qu'ils avaient apporté des, des éléments utiles. Oui, on, on disait, on a, on a retrouvé du coup la, la trace d'un Conseil des ministres européens qui se tient en 2000 à, à La Haye euh, sur ces questions d'énergie et, euh, et dans lequel euh, finalement une position euh, défavorable euh, au, au nucléaire, notamment sur le plan euh, euh, prospectif. Hein, euh, Aujourd'hui, on, on l'a vu, ça s'est concrétisé sur euh, la bataille autour de la taxonomie qui a été très, très compliquée pour, euh, pour la France, qui, qui trouve ses origines en 2000 à la haie, où c'est Dominique Voynet qui représentait euh, le gouvernement français, avec un mandat de votre part, des témoignages qu'elle a pu dire, de défendre le nucléaire, euh, ce qu'elle euh, qu n'a pas fait euh, en lien avec... Euh, le, le ministre anglais est dans votre euh, dos, en quelque sorte. C'est le témoignage qu'elle a pu donner publiquement. Quelle était donc la nature du mandat que vous aviez confié à Dominique Voynet à l'occasion de cette, cette réunion des, des ministres européens Vous faites allusion au, au mécanisme de développement propre, c'est ça hein Alors, on m'a cité une vidéo euh, dans laquelle la, la, la ministre s'exprime. Euh, et j'ai remarqué que cette vidéo avait été filmée, apparemment. Je n'en connais pas le, le contexte, si vous voulez. Je ne mets pas en doute son authenticité, mais je constate qu'elle a été filmée après 2002. C'est-à-dire alors que Dominique Vonen n'était plus dans mon gouvernement. Alors, il faut quand même savoir que ce mécanisme de développement propre est... Sur ce mécanisme de développement propre, euh, la France était de toute façon isolée dans l'Union européenne. Et les pays membres de l'Union européenne euh, n'étaient pas favorables à ce que le nucléaire se voit intégré, disons, dans ce mécanisme, comme une énergie jugée propre. Donc je pense que euh, Mme Boinet peut-être surinterprète un peu l'influence qu'elle a pu avoir dans ce, dans ce domaine, parce qu'en tout état de cause... Euh, la France n'aurait pas obtenu une position favorable. Donc, euh, je, je crois qu'il y a peut-être là, le seul moment où je vais dire quelque chose, pas de désagréable, mais d'un un tout petit brin de vantardise euh, dans ce moment-là. Euh, de toute façon, taxinomie ou pas taxinomie, euh, intégrée ou pas dans le mécanisme de développement propre qui ne concernait que les pays en développement, tout cela était sans aucun effet. Sur le programme nucléaire français et sur sa suite. Donc je suis obligé, euh, je ne devrais pas, Monsieur le Président, mais de vous, euh, de vous répondre que je ne pense pas que c'est le moindre effet sur la politique nucléaire française, contrairement à ce que vous aviez euh, les suggéré. Euh, pour rester dans le domaine européen, le sommet de, de Barcelone en, en 2002. Euh, ouvre une nouvelle étape, notamment de l'ouverture à la concurrence dans le domaine énergétique. C'est donc vous qui avez euh, préparé euh, ce, ce sommet. Euh, il est le fondement de la politique de libéralisation euh, des questions énergétiques euh, aujourd'hui. Euh, finalement, quel, quel bilan tirez-vous de la position française de l'époque et euh, des, des choix qui ont été faits euh, alors ben, S'il y a vraiment un fondement... Le fondement, c'est 1996. C'est la directive européenne acceptée par le président Chirac. C'est le point de départ. Ensuite, la loi de 2010, c'est une loi de transposition dans le droit français d'une directive qui a été approuvée par la France, par le président de la République, Jacques Chirac, en 1996. J'ai dit tout à l'heure, je vais le redire de façon plus précise, que dans la loi de 2000, dite loi Pierret dont j'ai parlé tout à l'heure, nous nous avons fait une transposition dans le droit français qui, un, comment -je, qui instaurait une ouverture limitée du marché, puisqu'elle ne concernait que les gros consommateurs. Je précise aussi que cela ne remettait pas en cause le service public de l'électricité notamment dans ce qu'il assure un tarif unique sur l'ensemble du territoire national. Et que, euh, de ce point de vue aussi, la capacité d'investissement à moyen et long terme d'EDF ne se trouvait pas obérée de la moindre façon. Donc, euh, je pense qu'il n'est pas juste, euh, chronologiquement, de dire que le sommet de Barcelone, où c'est vrai, l'ouverture s'accroît encore, nous sommes euh, à la table de la... De la négociation, euh, la table française, disons, au, euh, avec le président Chirac. Donc, ça, on ouvre au, au PME, je crois. Euh, hein. euh, mais euh, on est dans un processus qui, euh, qui a été entamé avant, dans lequel je m'inscris, et, et que nous nous efforçons de limiter. Donc, comme je l'ai dit, les lois de dérégulation qui ont été prises après, notamment de 2010, euh, elle n'engage ne, elle en, en rien le gouvernement qui a été le mien. Merci beaucoup. J'en viens à la, à la filière euh, électronucléaire euh, française. Vous avez dit dans votre propos liminaire euh, que euh, vous l'avez euh, restructurée et, euh, et notamment renforcée. C'est la, la création notamment euh, d'Areva, par mmh. euh, la fusion de, de kojima et de, de Framatom. Euh, ma question, elle est... Elle est euh, Peut-être de l'ordre un peu personnel, mais euh, à la tête d'Areva, vous vous installez entreprise publique, du coup, vous installez euh, Madame Lauvergeon. Euh, comment ce choix euh, s'installe de mettre Madame Lauvergeon à la tête de cet outil industriel. Ben, comme vous le savez, les décisions, les nominations importantes en cohabitation sont prises par le Premier ministre et le président de la République. Euh, parfois même, les nominations sont faites par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Donc j'assume parfaitement euh, la décision qui a été prise à ce moment-là. De la même manière que c'est en accord avec Jacques Chirac, mais sur ma proposition, que François roussely a euh, pris euh, la tête d'EDF dans cette période. Donc je n'ai pas de commentaire à faire sur euh, les raisons pour lesquelles voilà, Madame Levergeon était parfaitement euh, compétente et sur lesquelles nous avons fait ces deux choix, l'un pour l'EDF... L'autre pour Areva. Et, et donc euh, je, je, ne vous, je ne vois pas très bien euh, en quoi je devrais motiver euh, le choix que le président de la République et le, président et le Premier ministre français euh, ont fait à ce moment-là. Et, que, et quelle est alors la feuille de route euh, que le gouvernement confie à, à madame Lauvergeon à la tête euh, d'Areva bah, Écoutez, ça, si vous convoquez... Si vous convo dans les grandes lignes, vous avez un peu parlé de la, la restructuration de la filière électronucléaire. On, on a découvert, enfin, on, je crois que c'est de notoriété publique, que, une forme de concurrence entre EDF et Areva qui, euh, qui s'est installée et qui a peut-être un peu déstabilisé la, la filière électronucléaire française. Est-ce que c'est quelque chose euh, dont vous avez euh, déjà conscience, qui, qui vous apparaît euh, notamment sur la, sur la fin de, de, votre, de votre mandat ou c'est quelque chose qui, qui, euh, qui n'apparaît pas euh, évident à ce moment-là vous, vous, vous nommez à la tête d'entreprise des, des dirigeants, des dirigeantes, qui ensuite développent des politiques. Et, et il est vraisemblable que Ayrera arriva à penser à un moment euh, qu'elle était elle-même, euh, qu elle elle en tant qu'entreprise, en mesure de concevoir, disons, euh, un ensemble euh, nucléaire, euh, nouveau d'ailleurs, par ailleurs. Et, et donc. Qu'ensuite les choix faits, qu'il y ait eu compétition euh, entre EDF et euh, Areva à ce moment-là, euh, c'est vraisemblable que cette compétition se soit nouée. Euh, les difficultés qui ont pu être rencontrées par Areva euh, en Finlande, par exemple, euh, n'obèrent pas non plus les difficultés que... EDF a pu éprouver dans la même situation à propos de l'EPR de Flamanville. Donc, ensuite, là, c'est des questions qu'il faut que vous posiez à ceux qui dirigeaient ces entreprises. Elles ne résultent pas de façon logique ou fatale des choix de nomination que vous faites de personnes qui, par ailleurs, étaient parfaitement compétentes. Merci. Euh, J'aurais Deux dernières questions. Euh, la première sur le projet euh, EPR, du coup, qui existe euh, déjà mm -hmm. euh, et qui euh, est construit sur la base d'une commande forte de partenariat finalement entre la filière électronucléaire française et l'allemand Siemens. Mm -hmm. euh, comment cette euh, commande est-elle est -elle posée Dans quelle perspective euh, Comment s'est construit cette idée de, de mêler finalement Siemens à une filière qui était euh, quasi exclusivement française mais euh, vous, vous, les, 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 ce que nous avons fait, nous, pendant la période où euh, les, les, les études euh, qui étaient menées par EDF et Framatome euh, sur la perspective d'un nouveau type de centrale, à la fois plus efficace, disons, euh, avec un rendement supérieur du point de vue euh, énergétique. Et surtout, peut-être aussi avec un, un atout de sécurité extrêmement renforcé. Ces études existaient depuis un certain temps et euh, nous les avons. Elles se sont poursuivies sous l'égide d'EDF et de Framatome pendant la période où nous étions au, au gouvernement. J'ai lu euh, sur euh, Wikipédia, je crois, mais enfin, on est obligé de s'y référer. Euh, euh, ça vous arrive parfois euh, que... Euh, nous nous serions opposés euh, euh, à euh, l'ouverture d'une centrale EDF. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant la période où j'ai été au gouvernement, les études se sont poursuivies. EDF et Framatome ont travaillé sur ce qu'on appelle le basic design, disons, hein, de d'un EPR, et aucune entrave n'a été mise à ces études. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est que les études de sûreté qui accompagnait, bien évidemment, c'était la dessine à l'époque et l'IPSN. Euh, les analyses de sûreté ont été poursuivies également. Euh, nous n'avons, euh, je n'ai aucun souvenir, et euh, nous n'avons retrouvé aucune trace d'une demande que DF nous aurait faite dans cette période de lancer une procédure pour la construction d'une centrale EPR. — Voilà. Alors ensuite... Euh, — C'était bah, sur... pas, euh, pas tout à fait la question. C'est plutôt oui, la... — ouais. Oui, mais sur, sur Simens, euh, honnêtement, euh, nous, nous avons constaté un retrait progressif des Allemands. Euh, C'est pas nous qui avons introduit Simens dans la négociation. — Très bien. Du coup, je pense que vous étiez en train de, de répondre en partie à ce qui semble être ma dernière question euh, sur euh, le projet qui existait... Euh, qui semblait avoir existé au moment où vous arrivez au gouvernement, de création d'une centrale au, au carnet en, en aval de, de Nantes euh, et qui, euh, qui ne verra jamais le jour, enfin d'un nouveau site. Hein, euh, mm -hmm. Est-ce que c'est un, un projet sur lequel vous êtes intervenu en demandant à EDF de ne, pas, euh, de ne pas le faire Le maire de Nantes semblait y avoir été opposé à l'époque. Euh, ou euh, c'est un projet qui ne s'est... Voilà, je ne sais pas quel est le, le point de vue que vous avez sur ce, ce projet. Aucune proposition de création d'un EPR par EDF n'est venue dans la période où nous étions en responsabilité. Donc je n'ai lu que de qu'il y avait des projets de, de Pali N4, par exemple ou euh, Est-ce qu'il y avait des projets d'autres types de réacteurs, type Pali N4, ou, euh, ou de, 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 de création d'un site? Enfin, j'ai je, 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 le sentiment que il y, y a la y a un site. Pour y installer dans le futur des moyens de production, quels qu'ils soient, et puis à la demande de construire à proprement parler des réacteurs type EPR. Est-ce que l'ambition pour EDF de réserver un site pour un développement futur existait Et si oui, êtes-vous intervenu pour. Si elle pour existait, y fin elle n'a pas été portée à ma connaissance. Vous pourrez poser la question à, à Pierret si, le, si vous le convoquez. Euh, pour nous nous avions dans cette période la perception que j'ai j'ai rencontré quelquefois François Rousseli qui ne m'a jamais fait de demande donc ni officieusement ni officiellement euh, nous n'avons été saisis d'une demande de création enfin de préparation d'un site pour l'installation future d'un EPR et euh, nous avions l'impression que dans cette période EDF était Davantage préoccupé par ces problèmes de maintenance du parc nucléaire, d'une part, et d'autre part par son expansion à l'international, qui s'est euh, d'ailleurs manifestée. Euh, et donc, euh, mon, mon sentiment était qu'à partir du que EDF était, se satisfaisait, que les études soient menées, qu'elles soient accompagnées par des analyses de sûreté, pour être en mesure de lancer une procédure d'installation ou de décision d'installation de PR, je dirais le moment venu. Donc c'est c'est la perception que j'ai moi de cette période en tant que premier ministre. Vous pouvez compléter éventuellement sur celui qui était en contact direct. Euh, par ailleurs, euh, la, la décision de euh, lancement d'un PR, elle s'est faite quand Elle s'est faite en 2004. Après. Et, et le commencement des travaux de l'EPR de Flamanville ont dû euh, commencer en 2007. Donc là aussi, il s'est déroulé, quand même, après 2002, un certain nombre d'années avant que les choses se concrétisent. Merci beaucoup, M. le rapporteur. Oui. Merci, M. le Président. Merci, M. le Premier ministre, d'abord pour votre disponibilité. Vous dire. Euh, l'honneur pour notre commission de vous recevoir eu égard à vos responsabilités et vous remercier de la grande clarté des, des réponses que vous nous avez apportées jusqu'ici. Euh, je vais dans le sillage des questions du président vous poser une première question sur euh, l'accord électoral qui a été euh, passé entre le Parti socialiste et le Parti Les Verts de l'époque puisque le travail de notre commission, c'est bien de comprendre le processus euh, qui a mené aux, aux décisions prises en matière énergétique. Ma question est simple. Le 1er mai 1997, dans un entretien à la presse, Dominique Voinet évoque comme toute première mesure qu'elle prendrait euh, au sein d'un gouvernement de gauche et d'écologistes, la fermeture de Superphénix. Donc là, la question que je pose, c'est celle à l'ancien responsable politique qui est en train de négocier un accord politique. Lorsque vous êtes en train de négocier cet accord avec les Verts et avec Mme Voinet, quelle est la place pour les Verts, de la fermeture de Superphénix en termes de poids politique dans cet accord Est-ce que c'est important, très important Est-ce que c'est un point non négociable pour les Verts ou est-ce que c'est un point qui aurait pu être négocié Je n'ai pas mené ces négociations. Il me semble que c'est une personnalité qui a une fonction extrêmement importante aujourd'hui et qui a. C'était Pierre Moscovici qui a conduit euh, ces discussions. Euh, mais euh, en tout état de cause, sur ces questions sur lesquelles nous travaillions, parce qu'à la direction du PS, nous travaillions, il y avait aussi un groupe des experts au Parti socialiste qui avait été créé par François Mitterrand très antérieurement, auquel j'avais participé, que j'avais recréé et qui travaillait. Et nous avions un certain nombre de personnalités. Euh, à l'intérieur de ce groupe des experts qui suivaient les problèmes énergétiques et qui suivaient euh, les questions aussi scientifiques. Donc, au-delà de ce que nous avons découvert et mis en œuvre quand nous avons été au gouvernement, déjà cette idée que euh, ce surgénérateur, nous ne lui voyions pas un avenir industriel euh, prospère, cette idée, elle existait dans les cercles socialistes, au niveau de sa direction. Alors, ensuite, honnêtement, euh, je ne sais, sais pas si c'est ces propos que vous avez euh, cités ou si c'est votre transcription, mais euh, quand vous dites la première mesure que je prendrais euh, au gouvernement, ce serait de fermer Superphénix, honnêtement, euh, aucun ministre, euh, fut il de l'environnement, euh, et elle ne l'était pas encore, N'avait la capacité de fermer Superphénix. C'est une décision qui ne pouvait être prise que par le gouvernement lui-même et par le Premier ministre. Donc, euh, je, bon, ça, ça fait partie des choses qui se disent en politique, mais en tout état de cause, nous, euh, l'analyse que nous avons portée, que j'ai portée au niveau avec mes conseillers euh, à l'époque, avec le ministre compétent, avec Dominique strauss avec Claude Allègre, avec Martine Aubry, un peu pour des questions de sûreté, avec euh, Christian Pierret, euh, lorsque nous étions au gouvernement, je parle, nous ont conduit à penser que cette filière ne pourrait pas prospérer. Elle n'a d'ailleurs pas prospéré depuis. Donc, je ne sais pas exactement dans quel termes vous posez le problème, mais nous, nous pouvions aller aux élections législatives sans un accord avec les Verts. Je me suis réjoui qu'il y ait eu un accord avec les Verts. Mais à aucun moment, l'abandon de Superphénix n'a été une condition de la réalisation de cet accord. Et donc, euh, ben là, nous l'avons signé parce que nous, cela ne nous gênait pas de dire cela. Je, vous, je, peux vous rappeler, je vais vous dire une autre, une autre indication. Dans cet accord avec les Verts, parce que du coup j'ai été amené à le relire, il hein, m'avait un peu euh, échappé, euh, il est dit qu'il y aura un moratoire sur les MOX il est dit qu'il y aura un moratoire sur le MOX. Et nous avons MOXé dix euh, euh, tranches nucléaires, avec d'ailleurs l'accord de Dominique Bonnet. Donc, euh, vous voyez qu'il y, y a les accords, il y a les déclarations politiques, ça a été utile d'avoir un accord avec les Verts, euh, ça n'a pas posé de, de, de problème aux autres parties prenantes. De ce qui est devenu la majorité plurielle qui préexistait déjà à cette époque, euh, mais <coughs> euh, ensuite il y a l'action gouvernementale en tout état de cause. Donc il euh, ne faut pas accorder à, comment à des décisions politiques plus de poids qu'ils n'en ont. Euh, Euh, je, je vous remercie, monsieur le Premier ministre, et je note donc que vous avez dit que euh, super, la fermeture de Superphénix n'était pas une condition euh, indispensable à un accord entre le Parti Socialiste et les Verts. Non, non, j'ai dit que ce n'était pas pour nous un point fondamental. Oui, je ne parle pas. Ma Je Ma question, en fait, était très simple. C'était de savoir, est-ce que pour les Verts... Alors, vous dites que vous n'avez pas été associé aux négociations dans l'accord PS-Les Verts, ce qui peut effectivement paraître surprenant, mais je n'ai pas votre expérience. Ce que vous dites, c'est que pour vous, ce n'était pas un point dur dans l'accord PS-Les Verts. Ma question, c'était de savoir, dans les négociations, si pour les Verts, c'était un point dur de la négociation, pour, pour conclure un accord ou pas. Je, je suis désolé, mais je ne peux pas m'exprimer au nom des Verts, d'aucune façon. Euh, en tout état de cause, euh, au bout du compte, je vous ai répondu, y compris dans mon intervention, en anticipant euh, sur le plan, on va dire, politique, à partir du moment où nous étions d'accord pour prendre cette position, euh, nous l'avons annoncé publiquement dans un accord en vue, euh, en direction des Français, mais euh, ça n'est... Comment dirais-je d'une part, je ne peux pas m'exprimer au nom des Verts, et d'autre part, le, le débat s'est poursuivi aussi au sein du gouvernement, non pas sur la décision, parce que la décision était prise, elle avait été annoncée par moi, elle était dans un accord, euh, elle avait été confirmée par moi, mais il y a eu un débat, notamment avec plusieurs ministres, pour savoir dans quel délai est-ce que cette décision était irrévocable ou est-ce qu'on y viendrait progressivement, et ça a été finalement arbitré. Notamment par moi, pour dire qu'on confirmait la décision qui avait été annoncée et celle qui était dans ma déclaration politique générale, par ailleurs. C'est là, monsieur le Premier ministre, que je dois vous exprimer mon désarroi. Euh, la décision de fermer Superphénix figure dans un accord politique entre le PS et les Verts. Vous dites que vous avez, au sein de la direction du Parti socialiste, suivi ce sujet de près du fonctionnement de, de Superphénix. Vous dites aussi. Que vous avez fermé Superphénix, vous avez décidé d'arrêter Superphénix pour des raisons industrielles. Or, sauf erreur, le deuxième tour des élections législatives se tienne le 1er juin 1997. Le 17 juin 1997, dans votre déclaration de politique générale, vous annoncez la fermeture de Superphénix. Vous êtes, monsieur le Premier ministre, notre 43e audition. Pour l'ensemble des personnes que nous avons interrogées, à l'exception de madame Lepage, la fermeture de Superphénix n'avait pas de fondement industriel. Comment est-ce que vous avez pu, en 16 jours, avec l'ensemble des administrations, des entreprises, des industriels concernés, prendre sur un fondement industriel une décision qui, à tout le moins, ne semble pas évidente pour la quasi-totalité, à l'exception de Mme Lepage, des personnes que nous avons interrogées Cela veut dire que vous pensez, sur la base des auditions que vous avez, auxquelles vous avez procédé, que les personnes qui ont exprimé ce point de vue pensent que aujourd'hui, si Superphénix n'aurait pas arrêté, cette filière existerait et produirait de l'électricité en France Pas ben, du tout. Je vous ai simplement. Retourné. Alors je, je, je non. De Cela veut dire, si je vous entends, et au-delà du désarroi que vous éprouvez, dont je pense que vous vous remettrez, euh, je dois conclure de ce que vous me dites, que, à l'exception d'une personne que vous avez citée, indépendamment de la perception que peuvent en avoir des membres de, de la commission, l'ensemble de ces personnes pense qu'aujourd'hui, une filière Superphénix fournit... Que Cresmalville fournirait de l'électricité aujourd'hui en France Est-ce que c'est est -ce est votre opinion Alors, je, en tant que rapporteur de la Commission, je rendrai un rapport qui permettra d'exprimer ce que je pense. Je vous dis simplement que ce n'est absolument pas la question que je vous ai posée. Je vous ai posé une question très simple, qui est sur quel fondement dit industriel avez-vous pris la décision Alors que je ne fais que retracer, et si d'autres membres de la Commission ne sont pas d'accord avec ce propos, je ne doute pas qu'ils interviendront. L'ensemble des personnes, à l'exception de Madame Lepage que nous avez interrogé, ont estimé que la fermeture de Superphénix ne se justifiait pas. Donc, moi, je fais simplement ma mission de rapporteur qui consiste à confronter les différents points de vue que vous avez exprimés. Ne retournez pas la question. Je vous demande simplement si sur quel fondement industriel, en 16 jours entre votre prise, de, enfin ou un peu moins, parce que j'imagine que vous n'avez pas pris vos responsabilités le soir du deuxième tour, euh, en, en, comment, concrètement, qui avez-vous reçu Quelles sont les entreprises euh, euh, au-delà d'EDF que vous avez pu interroger Quels quel conseils vous ont donné les conseillers ministériels, les administrations, sur la base d'un fonctionnement industriel, dans le cadre où, en plus, il était question d'en faire un projet de recherche Donc, ma question, c'est simplement quelles sont les raisons qui ont présidé à ce choix Les raisons techniques, industrielles Simplement. C'était simplement une question qui mettait forcément une, une, une interrogation dans l'air, puisque l'ensemble de nos interlocuteurs ont plutôt regretté l'arrêt de Future Phoenix. Je ne suis pas en train de, de faire des conjectures, je vous pose simplement cette question. Il y a peut-être une mauvaise habitude française, ou dans certains milieux français, qui consiste à penser que quelque chose qu'on a arrêté, et donc sur lequel on ne pourra pas porter un jugement véritable au bout du compte sur la validité de la filière en question aurait été la solution miracle c'est exactement la tonalité que j'ai trouvée par exemple dans euh, l'enquête entre guillemets euh, qui est apparue dans le point sur ce sujet c'était le pr le surgénérateur pardonnez-moi était la filière miracle qui nous assurait euh, la fin des déchets la sécurité bon je ne tomberai pas, moi, personnellement, dans cette analyse. Et je peux vous dire que l'équipe qui était autour de moi était parfaitement, en 15 jours, à partir du moment où on avait décidé que je le confirmais dans ma déclaration de politique générale, en mesure d'examiner les éléments techniques, euh, et scientifiques et techniques concernant cette filière. Par ailleurs, cette filière, et même l'article du Point disait que son développement avait été chaotique, cette filière... Euh, débouchait sur des arrêts constants. commençait à avoir, mais je vais répéter mon introduction, euh, un, un, un coût financier pour edf considérable. et les développements ultérieurs n'ont pas prouvé, du moins dans les pays développés sur lesquels il y a la transparence sur ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, ce qui n'est pas le cas des russes, que euh, une telle filière pouvait prospérer. donc, euh, nous avons fait euh, dans le délai qui nous a été imparti. D'ailleurs, la décision, la mise en œuvre de la décision a pris plusieurs mois ensuite. Hein Donc, ça n'était pas fait. J'ai fait l'annonce, c'est-à-dire j'ai confirmé ce qui était une décision politique euh, et fondée sur des éléments industriels et techniques qui confirmaient la validité d'autres choix. Et nous l'avons fait dans le délai. J'avais auprès de moi un certain nombre d'hommes et de femmes euh, d'une telle qualité. Euh, et j'avais aussi des ministres qui étaient parfaitement capables euh, de faire une évaluation euh, dans le délai euh, que vous avez évoqué, c'est-à-dire entre ma nomination et la déclaration de politique générale. Je vous remercie. Une question qui émane également d'un rapport de la commission d'enquête du Sénat relatif à la fermeture de Superphénix. Pourquoi ne pas avoir consulté le Parlement sur une, Parlement sur une décision aussi importante pour notre filière nucléaire parce que notre décision était prise. Je n'ai pas consulté le Parlement pour décider que nous engagerions les 35 heures. Je n'ai pas décidé le Parlement. J'ai débattu avec le Parlement. Je vous rappelle que dans l'époque où je gouvernais, la vie politique, elle se déroulait au Parlement. Elle se déroulait entre le Premier ministre et les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires de la majorité, mais aussi les groupes parlementaires de l'opposition. La scène centrale de la vie publique française pendant les cinq ans de mon gouvernement, ça a été le Parlement français. Donc je suis certainement un des gouvernements qui a le plus, non pas forcément consulté le Parlement, mais engagé des débats avec le Parlement à partir des fondements. Qui articulait la politique de la majorité et à partir des questionnements, des critiques, des controverses engagées éventuellement par l'opposition. Donc, euh, je, je n'avais pas à consulter le Parlement pour lui demander de prendre une décision qui, de toute façon, euh, était de l'ordre euh, du pouvoir exécutif. Je ne sache pas qu'il y ait eu une décision parlementaire pour euh, décider ou non de l'arrêt de Superphénix. Je vous remercie. J'en viens à une question un peu plus tardive, un peu plus tard dans votre mandat. En fait, c'est une question qui est issue d'un entretien entre un ancien conseiller technique de Madame Voynet, Monsieur Laponge, et un journaliste, sur la question d'un futur EPR qui serait construit. Vous avez bien rappelé que vous n'avez pas eu de proposition formelle, il n'empêche, si j'ai bien suivi les débats de l'époque, que la question d'en construire un se posait. Et euh, ce conseiller relate la chose suivante, je voulais savoir si vous en aviez souvenir, si vous invalidez ou pas ces propos, et ce que vous en pensez. Euh, il dit donc que Mme Voynet est très opposée euh, à toute éventuelle construction d'un futur EPR, et il dit que Mme Voynet vous aurait dit « si tu le fais, je démissionne et je le fais savoir ». Et ce conseiller explique que dans les débats de l'époque, vous pensiez, en vous citant, en, en parlant de vous, « comme il voulait la garder, comme il l'estimait en tant que ministre, et politiquement comme il n'avait pas d'avis sur l'EPR, il a suivi son avis ». Euh, donc au-delà au de, au des phrases qui n'ont pas un intérêt extraordinaire, vous vous en doutez, je voulais avoir votre avis. Est-ce que concrètement, à un moment, lorsque la question s'est posée de relancer la filière nucléaire, même si, comme vous l'avez très bien dit, il n'y avait pas de proposition formelle, est-ce que concrètement, euh, les Verts ont mis leur poids politique dans la balance, menacés de démission, euh, pour la relance ou l'avancée avec la construction de nouveaux réacteurs C'est un échange qui a eu lieu, semble-t-il. Entre un conseiller et, et sa ministre Non, non, c'est un conseiller qui relate des échanges entre vous-même et la ministre. Qui Peut-il relater un échange non, entre la. Je, je, je vous demande même si vous pensez que, si, si vous pensez que ces propos n'ont pas eu lieu, que c'est un mensonge, vous pouvez le dire. Non. Hein, mais je, vous, je dis simplement que c'est au-delà au de savoir si ce sont ces propos exacts, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'était si représentatif des échanges que vous avez pu avoir. Avec Madame Voinet, ministre de l'Environnement, sur les questions nucléaires. Vous comprenez bien ce qui nous intéresse, ce n'est pas les propos exacts. C'est de savoir si, au sein de votre gouvernement, l'option antinucléaire portée par les Verts était suffisamment forte pour qu'ils mettent en balance leur démission quand ce genre de décision était à l'étude. Monsieur le rapporteur, je, je pensais euh, avoir fait justice euh, de cette vision des choses dans mon intervention. Est-ce que je dois vous rappeler qu'il y avait huit députés verts? Sept, leur poids diminue tout d'un coup, brutalement, qu'il y avait sept ou huit députés verts dans une majorité qui en comportait plus de 300. cents. D'autre part, si j'avais mené, comme vous le laissez entendre à nouveau, oui, mais vous le laissez entendre par un commentaire, comme quoi j'aurais été le poids des verts m'aurait amené à mener une politique anti-nucléaire. Je relate simplement des propos monsieur le Premier ministre. Je, je non non, vous avez fait attention. votre propre commentaire. Absolument pas. Bon, alors d'accord. Alors, très bien. Euh, donc le poids relatif des verts dans la majorité plurielle était ce que je vous ai décrit. Il y avait dans cette majorité quatre partis et trois autres partenaires en dehors du Parti socialiste qui étaient favorables au nucléaire et qui auraient été donc opposés à une politique qui aurait été anti-nucléaire. Donc je pensais avoir clarifié cette chose et ce n'est pas le propos supposé entre un conseiller et sa ministre qui devrait changer la tournure du débat sur ce point. Je vous remercie. J'ai une question sur, sur un point que vous avez soulevé tout à l'heure en, en, en soulignant les limites du nucléaire à votre, à votre sens. Vous en avez mentionné deux. Euh, la question de la sécurité d'approvisionnement avec l'idée de diversifier euh, le mix électrique. Et puis la question des pointes. Et vous avez semblé dire que euh, le nucléaire, contrairement à d'autres sources d'énergie, mais je voulais que vous reveniez dessus parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris, euh, ne permettait pas de passer les périodes de pointe ou en tout cas d'être activé. Euh, euh, en cas de pointe, et je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait pourquoi ce ne serait pas le cas pour l'industrie nucléaire par rapport à d'autres énergies. Je répète que je ne suis pas un technicien du nucléaire, que je ne suis pas un ingénieur des mines, euh, même si été amené à, à travailler à nouveau sur ces questions euh, récemment. D'après ce qui m'a été dit, euh, la plupart des autres pays nucléaires euh, utilisent de l'industrie nucléaire pour faire face à ces moments dits de pointe et qu'ils préfèrent utiliser les autres sources d'énergie. D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas que les centrales nucléaires qui ont, en principe, des programmations relativement longues quand même, de plusieurs mois. Ce n'est pas qu'éventuellement on ne puisse pas les faire fonctionner selon des cycles plus courts, mais j'ai cru comprendre de ce qu'on m'a dit que euh, ce serait peut-être euh, au dépend, non pas de leur sécurité exactement, mais ça serait les utiliser dans des conditions qui ne sont pas les meilleures du point de vue du fonctionnement d'une centrale. Voilà ce que j'ai compris, puisque vous m'entraînez sur un, un terrain technique, ce que je ne vous reproche pas du tout, hein, mais euh, qui n'est pas directement de ma compétence, bien sûr. Donc voilà la réponse à, à la question. Et donc d'autres sources d'énergie. Euh, sont préférables, semble-t-il, comme l'hydraulique ou le gaz. Je vous remercie. Deux dernières questions. L'une, simplement, à nouveau pour comprendre le contexte politique de l'époque sur la, le projet de Bur, enfin sur le projet de, de stockage. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, au sein de votre gouvernement, vous avez pris la décision, mais au sein de votre gouvernement, euh, comment s'est euh, déroulée la prise de décision Est-ce qu'il y a eu des oppositions euh, à envisager un site de stockage de ce point de vue, est-ce que c'était consensuel Vous avez porté un projet extrêmement important, puisque de long terme et qui, qui méritait d'être lancé tôt si on voulait qu'il ait une chance de réussir. Que vous nous resituer le, le contexte de la décision nous, nous, Quand nous avons abordé cette question, nous l'avons fait dans l'esprit d'essayer d'avoir de, plusieurs options qui restent ouvertes. Euh, le, le, les, les difficultés euh, que nous avons pu avoir à l'époque ont été moins au sein du gouvernement, où il n'y en a pas eu euh, dans mon souvenir, que euh, dans les rapports avec les collectivités locales, avec les élus et leur degré d'acceptation d'une telle centrale. Ça, ça a été quand même la question qui nous a occupés le plus et sur laquelle nous avons dû travailler. Et nous avons été heureux de déboucher sur une possibilité euh, à Bure, dans la Meuse. Euh, à l'intérieur du gouvernement, je dirais le ministre qui a euh, développé avec le plus de fermeté euh, sa position sur un point a été le ministre de l'Éducation nationale, mais euh, spécifiquement là en l'espèce de la recherche, Claude Allègre, qui était très favorable à. Euh, à un entreposement en surface des déchets, considérant sur le terrain de la réversibilité, que c'était évidemment, ce qui est sûr aussi, euh, l'accès le plus facile en quelque sorte, et qu'à partir du moment euh, où on entreposait dans une certaine profondeur, même si on veillait à ce que la réversibilité soit possible, et, et je rappelle qu'au stade actuel, d'après ce que je sais, on en est toujours quand même. Au travail de, de, de recherche, d'expérimentation. Hein. On n'est pas encore en train de mettre véritablement, d'entreposer des déchets, en tout cas en nombre, simplement pour. Euh, et Claude Allègre était favorable à cela, ce qui, de son point de vue, était euh, sans doute valable, mais ce qui, d'un point de vue de sécurité, alors on va dire internationale, si vous voulez, euh, était plus discutable. Car effectivement, ces déchets étaient par définition plus accessibles, mais ils étaient éventuellement plus accessibles pour euh, plus. Oui. Donc, au bout du compte, le, le choix qui a été envisagé euh, a emporté l'adhésion du, gouver du gouvernement. Je vous remercie. Une dernière question qui concerne, alors vous m'avez coupé l'herbe sous le pied en disant que si on parlait du rapport Pella, vous n'auriez peut-être pas tout vous souvenir, mais c'était quand même une question que j'avais, puisque en 2000, Jean-Michel Charpin, commissaire au plan, Benjamin Dessus, directeur du programme CNRS, de programme au CNRS et René Pella, au commissaire à l'énergie atomique, vous remettent un rapport que vous avez commandé sur les options énergétiques du pays et d'ailleurs notamment avec deux scénarios qui ne sont pas sans faire penser à l'exercice mené récemment par RTE, notamment un scénario de forte consommation à plus de 700 TWh, un scénario de faible consommation euh, autour de 500 TWh. Ma question c'est, étant donné la, la vision que vous aviez pour la politique industrielle de la France, et la volonté marquée de, alors on disait pas décarboner comme disait le Président, mais de sortir autant que possible des énergies fossiles, quelle était votre vision de la politique, enfin des, des options à développer en matière de politique énergétique pour atteindre? Non pas seulement euh, les, les prévisions de consommation, mais les objectifs qu'on pouvait se donner en termes de consommation d'électricité pour euh, continuer à réindustrialiser le pays. Et est-ce qu'il n'y avait pas là un, un delta à franchir puisque on a beaucoup parlé à l'époque d'illusions surcapacitaires, en tout cas pour pour certains de nos intervenants. D'autres ont au contraire montré que, enfin, d'autres intervenants, ont, ont, d'autres inter, auditionnés, pardon, ont, ont plutôt évoqué le fait qu'on qu exportait trop d'électricité et que donc il était euh, pas utile d'en de, produire davantage. Quelles étaient vos réflexions? Prospective à l'époque, à 20 ans, 30 ans, pour essayer de combler le potentiel besoin de production électrique ou d'énergie décarbonée sur le territoire. C'était l'opinion d'un certain nombre de gouvernements euh, avant moi et après moi euh, d'estimer que euh, il y avait eu plutôt, en raison de la réaction. Puissante que j'ai rappelé tout à l'heure euh, au choc euh, pétrolier de 1973, il y avait eu sans doute une surestimation de ce que seraient les taux de croissance économique dans le monde et en Europe en particulier, et aussi aussi de ce que serait, serait donc la consommation d'électricité euh, ou d'énergie diverse à l'usage. Euh, de l'industrie et des transports euh, dans la période qui venait. Et donc plusieurs gouvernements ont pensé qu'on était plutôt, euh, qu'on était sinon en surcapacité, en tout cas en capacité suffisante, euh, à tel point qu'un certain nombre de gouvernements avant le mien et des gouvernements après le mien ont évoqué la nécessité de faire baisser le pourcentage du nucléaire dans. Euh, la production euh, électrique française. Donc ce, ce, ce climat existait. Nous, notre option, ça a été... Je, je ne me souviens... Je n'ai jamais, moi, fait de déclaration disant qu'on devait ramener euh, le nucléaire à tel pourcentage. Je ne me suis jamais exprimé sur ces sujets. Euh, et donc notre, opinion, notre approche, c'était bah, on continue à développer le nucléaire. Euh, nous étions arrivés à la fin d'un cycle des centrales qui avaient été construites à partir des années 70. Nous pensions que l'EPR le, prendrait la suite, mais euh, on en était encore au stade des études. Et comme je l'ai dit, nous n'avions pas de demande précise qui était formulée à notre intention. Et puis, nous avions aussi l'espérance euh, de développer davantage les énergies renouvelables, si vous voulez. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a pas... <coughs> Je, je n'ai pas... Comment dirais-je n'ai pas souvenir euh, d'un moment où j'aurais défini ce que devait être euh, euh, l'équilibre et, et, le, et, le, et le degré de développement de l'énergie euh, française euh, sur les 30 prochaines années. Merci beaucoup pour euh, ces réponses aux questions du rapporteur. On va question, passer aux questions des... Les députés, membres de la commission d'enquête, en commençant par le Rassemblement national, Monsieur Tanguy. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Euh, écoutez, je vous avez dit à un moment que vous avez estimé faire euh, des choix de, pendant votre euh, mandat pour renforcer la souveraineté énergétique. Je vais poser plusieurs questions qui m'interpellent par rapport aux au choix justement que vous avez fait. Je voudrais quand même revenir sur votre échange avec le rapporteur sur superphénix car. Euh en entendant vos réponses, mais aussi, il me semble, votre absence de réponse, j'estime je je, qu'il reste une grande confusion. Euh, vous avez dit que vous n'avez pas été, euh, vous n'avez pas arbitré dans le programme ce point, si j'ai bien compris, avec Superfénix, ça a été envoyé à M. Moscovici. Mais tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez pourtant dit que ce point avait été soumis à l'arbitrage des Français. Donc, je ne comprends pas comment, en tant que chef de cette coalition, vous pouvez estimer que d'un côté, vous n'allez pas arbitrer, mais que les Français l'ont fait. Par ailleurs, euh, j'étais je, je, bon, assez jeune à l'époque, euh, mais je me souviens. Pas quand même que Superphénix ait été au cœur de l'élection de 1997 et que c'était plutôt, à mon avis, les enjeux sociaux liés aux réformes Juppé. Enfin, je me sens quand même que c'est consensuel. En tout cas, je ne me sens pas que le prototype de quatrième génération nucléaire ait été euh, central dans l'élection. Je ne dis pas qu'elle a été absente, mais pas centrale. Vous n'avez pas répondu, il me semble, et je le viens quand même en support de ce qu'a dit le rapporteur sur nos éditions, l'ensemble, des, notamment des techniciens. Euh, de, 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 des physiciens, des techniciens euh, de, de nucléaire ont tous affirmé qu'il n'y avait pas euh, d'échec industriel et technologique de Superphénix. Et c'est ça où je ne comprends pas votre réponse, puisque vous savez que Superphénix est un prototype euh, industriel. Donc affirmer que Superphénix doit être fermé parce qu'il a un parcours chaotique, euh, d'un point de vue d'ingénierie, euh, je trouve que c'est aberrant, puisque par définition, un prototype. Et chaotique et que plus justement on avance euh, que ce soit le rapport du sénat le rapport de la cour des comptes ou les auditions que nous avons fait plus on avance dans l'expérimentation la, la, dans, dans de ce prototype plus justement la production est assurée euh, plus les défauts techniques sont euh, corrigés et justement vous le fermez par exemple à un moment où une année, vous annoncez la fermeture, où la production d'électricité de superphoenix est à son maximum, avec un taux de charge de 35%, qui est quand même supérieur à beaucoup de moyens d'électricité. Par ailleurs, vous dites que c'était une aberration financière, mais par définition, l'ensemble des coûts d'investissement de superphoenix sont réalisés au moment où vous décidez de le fermer, soit de mémoire, 35 milliards de, 35 milliards de francs de l'époque, que sa fermeture va encore engager encore de mémoire de 10 à 16 milliards d'anciens francs, enfin de francs, pardon, euh, euh, pour ODF et que par définition, même avec 35% de charge moyen sur 40 ans, on pouvait dégager entre 300 et 400 millions de francs. Donc fermer Superphénix alors qu'elle commençait à fonctionner même en régime minimal n'est pas pour moi un arbitrage financier, surtout que vous êtes particulièrement alerte sur les questions de finances et d'économie. Donc je ne comprends pas comment vous avez fait cet arbitrage dans le délai qui a été évoqué par le rapporteur sans que c'est des considérations politiques. C'est une question, ce n'est pas une, une question, comment dire, une accusation. C'est une question où... J'essaie de comprendre cette décision qui, quand même, a un coût pour la société de 10 milliards d'euros. De la même façon, vous dites que les sociétés occidentales n'ont pas poursuivi dans cette quatrième filière. Mais j'y vois deux incohérences avec ce que vous avez dit. Vous avez dit vous-même qu'après les accidents nucléaires qu'ont connus les États-Unis et après Tchernobyl, avec des conséquences sur les opinions occidentales, nous assistons à une fermeture du nucléaire. Et qu'en fait, d'une manière générale, entre les années 90 et aujourd'hui, nonobstant l'EPR, dont l'essentiel du design avait été lancé, avant. Il n'y a aucune percée technologique dans le nucléaire. L'ensemble, malheureusement, enfin moi de mon point de vue malheureusement, des démocraties occidentales se sont retirées euh, de l'expérimentation industrielle de nouvelles filières nucléaires. Et ce n'est pas seulement la surgénération qui n'a pas été ex euh, exploitée. Il n'y a aucune recherche appliquée de, euh, de nucléaire de quatrième génération dans aucun pays occidental. Et malheureusement, évidemment, les euh, tyrannies euh, que vous avez évoquées, elles, euh, ont avancé et nous ont pris notre avance. Et vous, nous, vous, vous semblez aussi ne pas faire euh, ne, ne pas prendre en compte le fait que la France avait une avance in inédite. Parmi les démocraties occidentales. Donc le fait qu'aucune autre démocratie occidentale n'ait pris notre relais, c'est aussi parce que la France avait de l'avance. Par exemple, vous avez évoqué le Japon, mais euh, le réacteur, enfin la, la science, la physique japonaise sur la quatrième génération dépendait justement du projet français. Donc on ne peut pas reprocher au Japon de ne pas avoir poursuivi, puisque nous-mêmes nous, nous l'avons lâché. Je ne comprends pas aussi quand vous dites que c'est une filière qui n'a pas prospéré. Vous-même aussi, vous considérez qu'elle aurait dû prospérer par le réacteur Astrid, par le projet Astrid, dont vous regrettez l'abandon. Mais donc c'est bien que vous considérez, bah, alors que j'ai cru comprendre, pardon, que vous regrettez l'abandon. Donc si j'ai mal compris, je m'en excuse, mais en tout cas que ce projet Astrid a été euh, évoqué et que donc il y avait bien une suite à la quatrième génération euh, qui malheureusement n'a pas, euh, pas enchaîné. Sur un tout autre sujet, il y a eu beaucoup d'arbitrage votre, sous, sous votre euh, mandat de Premier ministre dans la politique industrielle. Je voudrais en évoquer notamment dans le problématique d'Alstom. Pardon. Est-ce que... Vous, vous tenez absolument à poser toutes vos questions euh, C'est l'usage Bon, alors ça m'impose un effort de. Noter, oui, mais mémoriser, ça c'est moins sûr. Oui, M. Tanguy fait ce qu'il peut. Euh, je vous en prie, madame, notamment Alstom. Euh, sous votre mandat, des décisions importantes. Euh, euh, D'une part, euh, le commencement du démantèlement du conglomérat euh, Alcatel-Alstom. Est-ce que vous avez eu à connaître de ce début de démantèlement sous M. de Fluruc Est-ce que vous avez eu une opinion, notamment la privatisation de 52% de son capital qui entraînait euh, les suites que l'on connaît Est-ce que vous avez eu à connaître de cette décision -ce que... Là, j'ai plus la date, mais c'est sous votre mandat. Donc je l'ai vérifié avant de vous poser la question. Je crois que c'est en 98 ou 99. Euh, ensuite, par exemple, les décisions de... là j'ai des dates très précises pour la suite d'Alstom. Euh, en 1999, Alstom décide de vendre à General Electric ses euh, turbines de... De... qui sont produites euh, à Belfort, pardon, et euh, suite à une opération avec ABB, euh, opération avec ABB, opérateur suisse, achat de turbines suisses. Qui a amené euh, Alstom à s'exposer à des malfaçons sur ses turbines, qui ont entraîné les difficultés financières euh, que le groupe a connues en 2004 et 2005, le début de son démantèlement. Est-ce que là aussi, vous avez eu à connaître des décisions euh, d'Alstom Est-ce que vous avez donné une opinion euh, sur ce sujet ou votre gouvernement Ou est-ce que c'est des opérations qui ont été faites sans votre consentement De la même manière, en euh, 2000, euh, Framatom vend à General Electric aussi les activités euh, thermodymes du Creusot, qui sont des activités extrêmement importantes pour le nucléaire et pour la flotte militaire une partie euh, d'ailleurs de, 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 de cette usine est sous euh, secret défense c'est fait en 2000, est-ce que là aussi vous avez eu à connaître de ces décisions euh, favorables aux, aux, aux américains ensuite vous avez parlé de l'opération que vous avez, euh, tout à fait différent au secteur pétrole et gaz, pour essayer de favoriser pardon, la, le séquençage, vous avez favorisé, euh, parlé du rapprochement entre ELF et Total que vous avez supervisé, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas fait le choix d'un actionnariat euh, populaire ou euh, même d'une prise de participation importante de l'État dans ce qui deviendra euh, Total, qui reste la plus grande entreprise française, pour les enjeux de souveraineté que vous avez donnés. Vous avez parlé d'un certain nombre de contrats pétroliers euh, susceptibles de euh, renforcer notre souveraineté. Ces contrats, si j'ai bien noté, étaient euh, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Venezuela, euh, il m'en manque un, mais ce n'était pas non plus une, une grande démocratie. Est-ce que vous estimez que c'est renforcer notre euh, souveraineté que de mettre notre destin euh, dans euh, l'approvisionnement, dans, euh, dans ces régimes autoritaires et enfin, c'est ma dernière question, euh, Monsieur le Président, euh, pour le rapport de Kyoto. Voilà, pourquoi est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le choix d'avoir pris comme date 1990, euh, ce qui, pour euh, me, me semble, est une décision défavorable à la France, puisque l'effort de décarbonation, euh, notamment de notre électricité, se tient dans, pendant les années 80, alors qu'au contraire, euh, d'autres pays, notamment euh, l'Allemagne, euh, vont intégrer l'Allemagne de l'Est et donc ont au contraire une, une, une difficulté à décarboner et qu'il aurait été sans doute plus juste pour la France d'intégrer dans le protocole de Kyoto puis ensuite dans Paris l'effort de décarbonation qu'elle avait fait et non pas d'estimer qu'elle partait à égalité avec des pays qui, euh, qui n'avaient pas fait cet effort. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Tanguy, monsieur le Premier ministre. <coughs> Oui. Est-ce qu'il est autorisé dans la Commission de poser une question à celui qui vous questionne Avec son 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 accord, bien sûr. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, la filière Superphénix, si le prototype de... Grèce-Malville euh, n'avait pas été arrêtée et donc progressivement démantelée. Est-ce que vous pensez que cette filière aujourd'hui aurait débouché Qu'elle est, après avoir attendu un certain nombre de gens, quelle est votre conviction euh, sur ce point Est-ce que vous pensez qu'elle aurait débouché Je ne sais pas, Monsieur le Premier ministre, si c'est de la, de la rhétorique ou une vraie question. Enfin, si Monsieur Tanguy veut réagir. Mais non, c'est. Comment, ouais. Comment pourquoi de la rhétorique Oh, parce que nous, nous faisons, monsieur le Premier ministre, de la politique, de part et d'autre de ces oui, bancs. Rien. Monsieur Tanguy, est-ce que vous souhaitez répondre Je pense, monsieur le Premier ministre, sans être moi-même ni ingénieur ni physicien, que ce projet de prototype, quel était son avenir, puisque l'investissement essentiel initial avait été fait, aurait permis à la science et à la technique d'avancer. Et la science et la technique peuvent aussi avancer euh, par l'échec, par l'imperfection, et que tout projet de recherche appliqué a un intérêt euh, quand il est suivi pour plusieurs années et je peux vous citer beaucoup d'exemples en physique qui sont nés je peux petits accidents pour pas qu'il y ait de, mal en de, de de mauvaise interprétation de ce que je vais dire mais de hasard et par exemple si vous prenez le CERN euh, voilà, il y a eu beaucoup de découvertes au CERN qui sont nées de, de choses inattendues voilà et parfois même un prototype peut donner des choses euh, imprévues et puis euh, on tire des leçons de tout mais je contre toi ce qui est sûr c'est qu'une filière ne peut pas naître quand on l'arrête bien Monsieur le Premier ministre dans le domaine de la science, je suis prêt à vous, à vous entendre. Le problème de Superphénix, c'est que c'était à la fois un prototype de recherche et un prototype dont la visée était industrielle, et donc dont les coûts étaient considérables, si vous voulez. Si on était resté dans l'ordre pur de la recherche, ben les recherches se seraient poursuivies. Euh, après tout, on va bien poursuivre des recherches euh, à travers euh, le processus ITER, si vous voulez, sur la fusion. Et on ne sait pas si euh, cela débouchera euh, en, en 2035 ou en 2045. Donc on est dans un processus là où des pays acceptent, ils sont nombreux, de dépenser euh, des sommes, effectivement, mais qui sont celles qui incluent la recherche, si vous voulez, dans euh, une technologie future ou même dans, 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 une, dans une recherche, je dirais pas, qui est d'abord fondamentale. Là, il y avait un mix, si vous voulez. C'était une centrale qui avait été créée. Ce n'était pas simplement un prototype euh, dans, un, dans un laboratoire, quelle que fût sa taille. Donc, euh, je... Pardon, je reviens. Oui. Donc, je... Les, les, coûts, les coûts financiers pour EDF étaient absolument considérables. Et le problème était que ce, ce, ce prototype n'a pas été pensé euh, avec les industriels, tout en devenant en quelque sorte euh, une, une, une centrale qui avait des objectifs euh, industriels. Et donc je pense que c'est notamment cela qui, euh, qui fait que, euh, contrairement à ce que vous avez dit, euh, là vous vous dites... Euh, les problèmes étaient réglés. C'est une pétition de principe. Pardonnez-moi. Très bien. Oui. Bon. Et, et donc euh, de... sinon, euh, la validité de, de vos critiques que je reçois, que j'entends, euh, elle existerait si cette filière avait prospéré ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Alors vous argumentez à propos du cas américain ou du cas japonais pour dire « Mais c'est justement parce qu'on n'a pas poursuivi qu'ils n'ont pas poursuivi ». Les États-Unis ont absolument les moyens de développer cette technologie, s'ils veulent la technologie. D'après ce que j'ai compris de mes discussions récentes, là, euh, avec un certain nombre de ceux qui m'ont conseillé sur ces questions et qui l'ont fait encore, euh, c'est que euh, les recherches euh, dans le domaine du nucléaire – dont vous dites d'ailleurs qu'elles sont très peu nombreuses – elle ne porte pas sur cette filière aujourd'hui, nulle part. Quant aux Russes, ce qui m'a été dit là aussi, d'abord on ne sait pas exactement dans quelles conditions ils ont développé ce surgénérateur, pas plus qu'on ne le sait d'ailleurs pour la Chine, parce que ce sont des régimes opaques. Et d'autre part, ce qui m'a été dit à propos de la Russie, compris par un très grand expert du monde nucléaire que je rencontrais il y a très peu de temps, c'est que les Russes, de toute façon, ils travaillent sur toutes les filières possibles. Mais ce qui lui paraissait pas un signe de la prospérité de cette filière, c'est que sur le surgénérateur, ils ne sont pas passés à l'échelon industriel. Ils n'ont pas multiplié les surgénérateurs. Si vous voulez. Et donc, il pensait que même en Russie, ça n'était pas probant. Alors, bon, on ne va pas poursuivre peut-être davantage un débat scientifique et technique pour lequel ni vous ni moi sommes peut-être tout à fait préparés. Mais je continue à penser, et sauf à tomber dans cette, cette, ce risque français de considérer que ce aurait absolument marché de façon phénoménale, justement ce qui a été arrêté, euh, je pense que les fondements sur lesquels nous avons pris notre décision d'arrêt de Superphénix sont aujourd'hui encore validés. Sur Astrid, que je joins, même si c'était pas la question suivante. Euh, non, je n'ai pas regretté l'abandon d'Astrid. Aucun... Non, mais à aucun moment. Je n'ai dit ça dans mon intervention tout à l'heure. Pardon Ah oui, complètement, oui, j'ai un texte écrit de toute façon là. Donc, je n'ai pas regretté l'abandon d'Astrid. J'ai dit que Astrid, relancé en 2010, avait été abandonné. Je n'ai émis aucun commentaire sur ce plan, y compris parce que c'est la politique de mes successeurs. Je le voyais plutôt comme un argument à l'appui de ma thèse, pour être clair. Alors, vous, vous avez utilement, quand même, à propos de la négociation avec les Verts, euh, levé une ambiguïté. Je n'ai pas procédé aux discussions euh, qui ont été conduites en l'espèce par Pierre Moscovici, il me le rappelait récemment. Mais naturellement, j'étais associé pleinement au résultat et, et j'ai évidemment approuvé la décision qui a été prise. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Simplement, je sais pas. On, je ne vais pas vous rappeler à, à vous, euh, parlementaires et membres d'un parti, euh, ce que sont les discussions politiques, mais on discutait de l'énergie, on discutait euh, des 35 heures, on discutait euh, des sièges, et donc il y avait un certain nombre de responsables socialistes qui discutaient euh, sur ces différents secteurs, si vous voulez. Et moi, je suivais naturellement ces discussions et je les ai évidemment, j'étais évidemment informé et je les ai approuvées. Donc la proposition que nous avons faite autour français, elle m'avait été clairement à moi rapportée avant. Je lève un doute à cet égard. Et peut-être qu'effectivement, mon propos était tout à l'heure peut-être un peu ambigu ou je ne l'avais pas précisé. Vous avez dit que la question de Superphénix, par ailleurs, n'était pas au cœur des préoccupations des Français. Oui, et c'est vrai. Elle n'était pas non plus au cœur de nos préoccupations, au moment de l'accord politique, en tout cas en tant que condition d'un accord politique. Sur euh, les autres euh, Oui, sur les autres pays, euh, non, ben on en a on en a dit un mot, euh, Astrid aussi. Euh, la question démantèlement d'Alstom, par exemple là je, je me tourne vers vous, moi c'est la première fois que je viens devant une commission d'enquête, personnellement, et je n'ai pas eu comme parlementaire à participer non plus à une, à une commission d'enquête. Et, euh, et, et donc, euh, mais j'ai envie de vous dire à, à l'usage de, euh, des, des politiques, en tout cas des politiques qui ont été en responsabilité relativement importante, euh, lorsqu'ils ne sont pas euh, le ministre compétent sur un secteur, si vous voulez, mais qui sont été, par exemple, comme moi, Premier ministre, ou Président de la République. Je crois que vous avez envisagé en, de convoquer, euh, peut-être. Hein de recevoir. Oui, de convoquer. Bon, quelle horreur. Hein, de recevoir. Hein. Bien, des présidents de la République ou un président de la République. Je pense que si vous voulez vraiment poser des questions techniques et que vous voulez, de la part de quelqu'un comme moi, dans la position qui a été la mienne, avoir une réponse précise, alors il vaut mieux nous la transmettre. Franchement. Sauf si c'est fait pour embarrasser, bien sûr, mais je ne veux pas... Non, non, mais je ne vous fais pas du tout. Donc c'est avec euh, cette... Euh, en pleine bonne foi que je vous dis ça, si vous voulez. Donc, si vous voulez des réponses extrêmement précises, il faut les, faut les communiquer, si vous voulez. Moi, qu'est-ce que je peux faire Je ne suis pas un technicien du nucléaire, je n'ai pas été ministre de l'Industrie, je n'ai pas été formé à l'école des mines, j'ai présidé, gouverné un, un pays, j'ai dirigé un gouvernement pendant cinq ans, de façon relativement efficace. Et de façon en tout cas honorable, j'ai eu à rendre des arbitrages, j'ai travaillé beaucoup, j'avais de très bonnes équipes, donc je me suis imprégné de beaucoup de choses, mais je ne suis pas en mesure de répondre plus de 20 ans après de façon précise à une question technique, sauf si elle m'a été soumise à l'avance, auquel cas je le réponds. Donc, pour d'autres pour d'autres interlocuteurs qui se trouveraient éventuellement dans ma position, je vous suggère cela. Par contre, je suis, si j'ose dire, un de vos pères, c'est-à-dire un ancien homme politique, un ancien élu du peuple et un ancien responsable d'État. Et sur ce terrain, par contre, j'ai un certain nombre de choses éventuellement à dire, certaines que j'ai pu dire, d'autres que je n'aurai pas l'occasion de dire parce qu'elles ne m'ont pas été posées. Et mon objectif à moi, ce que je peux peut-être faire. C'est pour vous éclairer sur les motifs de nos choix et sur les actions que nous avons menées. Ce n'est pas forcément de répondre à tel ou tel point particulier euh, que vous pouvez soulever, sauf si vous nous en parlez. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour euh, le, les socialistes et apparentés, Madame Battistel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup pour toutes les informations très précises que vous nous avez apportées et qui témoignent d'un gros travail de récupération d'éléments que vous avez fournis et d'une grande mémoire des différents événements qui ont conduit à un certain nombre de décisions. J'ai envie de dire que moi, je veux retenir de cette période sur laquelle nous travaillons de 1997 à 2002, peut-être quelque chose de positif, puisque dans cette commission d'enquête, nous sommes là aussi pour euh, dire ce qui a conduit ou pas euh, à la perte de souveraineté euh, de la énergétique de la France, mais aussi de dire ce qui a pu conforter la souveraineté énergétique de la France à un moment donné. Euh, moi, j'aurais souhaité insister sur euh, un apport important de votre mandat qui est le renforcement et la centralisation des administrations chargées du contrôle des installations nucléaires, avec la création euh, en 2002 de la Direction, début 2002, de la Direction générale de la Sûreté nucléaire et de la radioprotection qui reprend les activités de la direction de sûreté des installations nucléaires, du bureau des rayonnements de la direction générale de la santé, d'une partie de l'office de protection contre les rayonnements ionisants et de la commission interministérielle des radioéléments artificiels. Tout cela euh, préfigurait euh, la création de l'ASN, devenue autorité administrative indépendante en 2006, en 2006 une autorité extrêmement précieuse est incontournable aujourd'hui, et je pense depuis sa création, dans le suivi de nos installations et sur laquelle nous nous reposons pour l'ensemble des décisions concernant la filière. Et je crois que cette instance crée aussi la confiance que l'on peut avoir dans le nucléaire français, et je tenais à le souligner. Cette démarche a permis également d'avoir un regard et un contrôle indépendant des DF, en attendant qu'il soit indépendant du pouvoir politique, dont on mesure l'importance dans le contexte de la réflexion autour d'un nouveau programme d'EPR, du grand carénage, de la prolongation au delà de 50 ans de la vie des centrales et du suivi des cas de corrosion sous contrainte. Sur la question de l'absence de lancement de nouveaux projets de construction euh, sous votre mandat, notamment euh, le lancement de projets euh, EPR, vous vous êtes euh, souvent euh, défendu en rappelant qu'à la fin de votre mandat, le réacteur en service le plus ancien, Fessenheim, n'avait que 24 ans. Et donc que la question du remplacement de ces centrales n'était pas forcément encore posée. Pour autant, il a, vous avez poursuivi euh, les études sur le programme EPR. Vous avez très longuement lors de cette audition, à plusieurs reprises, puisque vous y avez été invité de nombreuses fois, vous avez assumé l'abandon du programme Superphénix, au regard de choix politiques, vous l'avez dit, mais aussi en vous appuyant sur l'immaturité des technologies mises en œuvre et de la non-viabilité économique. Qui, euh, je souligne d'ailleurs que l'abandon 2019 du premier Astrid confirme peut-être euh, votre analyse initiale et euh, vous donne raison. Euh, je, je crois que nous n'avons pas eu le même retour que le rapporteur euh, tout à l'heure lorsqu'il disait qu'il y avait euh, l'ensemble des personnes auditionnées euh, qui avaient considéré que cette décision ne reposer que sur du choix politique et pas euh, sur un, un choix euh, industriel. je crois que ceux qui l'ont dit, en tout cas, que c'était un choix politique, n'ont pas écarté le fait euh, qu'il y ait aussi des éléments industriels qui permettaient euh, de poser la chose. mais euh, je n'ai pas assisté à toutes les auditions, donc je ne m'avancerai pas pour dire que, euh, qui a raison euh, en la matière. Euh... Oui, vous avez également initié euh, sous votre mandat de manière assez pionnière un plan de développement des énergies renouvelables avec notamment l'adoption du programme national de lutte contre l'effet de serre qui fixait un objectif de 3000 MW en électricité euh, éolienne. Un virage à l'époque euh, bah, pas si naturel. Euh, donc ça c'est ma première question avant d'avoir euh, déployé un certain nombre d'éléments. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à cette... Euh, à cette direction et pensiez vous à cette époque là que 20 ans plus tard c'est à dire 20 même presque 25 ans plus tard alors qu'il est aujourd'hui nous serions en train de voter un texte d'accélération des énergies renouvelables que nous voterons dans une demi heure parce que euh, nous n'avançons pas euh, sur ces sujets là enfin sous votre mandat euh, c'est souvent de mandat, qui a été pris le décret obligeant les distributeurs d'électricité à racheter l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables pour toutes les installations euh, d'une puissance inférieure à 12 MW, un, un mécanisme euh, qui a évolué depuis hein, par les différents textes, notamment euh, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, mais euh, qui a permis euh, de, à la fois, euh, conforter euh, les les installations euh, d'énergie renouvelable, mais aussi, à l'inverse, aujourd'hui, de euh, contribuer à des recettes euh, qui reviennent dans les caisses de l'État et de payer une partie euh, du bouclier euh, tarifaire. Euh, tout cela participe également de la souveraineté euh, énergétique euh, de la France. Et euh, si je peux encore une toute petite seconde, Monsieur le Président, euh, dire que finalement, euh, au regard de ce que vous avez développé, vous avez à plusieurs reprises évoqué le souci permanent, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, de veiller à ne pas mettre en danger financier. Euh, et en tout cas euh, d'équilibre économique EDF pour qu'ils soient en capacité euh, de maintenir finalement notre souveraineté énergétique et euh, de contribuer euh, à, euh, à la péréquation tarifaire et en, à assurer euh, l'énergie pour tous les Français. Euh, je suis euh, sur la question euh, également euh, de la loi de 96 qui a été euh, décidée euh, sous la présidence Chirac. Vous avez euh, rappelé que c'est en 2010 que cette loi de transposition euh, en droit français avait finalement euh, instauré euh, la mise sur le marché de l'électricité. Euh, qui écarte finalement, qui occulte l'ensemble du mandat euh, sur lequel euh, vous étiez en responsabilité. Est-ce que vous pouvez euh, nous préciser si ces sujets-là euh, étaient évoqués pendant votre mandat et s'il y a eu des tentations euh, de, euh, cette, de prendre cette direction qui a été finalement prise en 2010 Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame. Battistel, ouais, pas de souci, Monsieur le Premier ministre. J'aurais besoin d'insister <coughs> sur un point qui n'est qui est peu venu dans, dans la discussion, même s'il a été effleuré. Euh, C'est euh, l'indépendance du contrôle de la, de, de la sûreté nucléaire. Ça, je pense que ça a été une décision absolument fondamentale, euh, à la fois parce qu'il euh, était nécessaire pour une industrie aussi particulière que nous soyons certains qu'il euh, ne pouvait pas y avoir de conflit d'intérêts quand il s'agissait de la sécurité des sites et de la sécurité des Français, et que qu'il devait y avoir une séparation entre ceux qui. Faisaient les études, prenaient les décisions, assuraient les fonctionnements des centrales et ceux qui étaient chargés de dire si la sécurité était assurée. Je pense que ça a été un pas en avant considérable qui a pu être critiqué à ce moment-là, notamment par ceux que, de façon un peu trop indistincte, on appelle parfois le lobby nucléaire, mais qui s'est révélé une décision extrêmement importante, positive et qui, d'une certaine façon, a légitimé. Euh, l'option nucléaire. Parce qu'on a beaucoup fait allusion ces temps derniers à, 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 la, à ce que pensait l'opinion, et beaucoup disent que actuellement l'opinion française est plutôt favorable au nucléaire, mais il y a eu des moments où l'opinion française était défavorable au nucléaire, ou plus exactement, parce qu'il y a toujours eu, je crois, une majorité en sa faveur. Mais euh, exprimait tout d'un coup des doutes et une incertitude à propos du nucléaire. Et évidemment, quand vous vous situez après euh, le <coughs> Tchernobyl ou quand vous vous situez dans la guerre en Ukraine, alors que les prix euh, des produits pétroliers euh, flambent, vous n'avez pas le même contexte. L'opinion, elle n'a pas euh, les connaissances des experts, mais elle réagit avec une forme de bon sens. S'il si y a un accident euh, nucléaire, c'est que cette euh, filière, euh, que cette production peut être dangereuse. Si les prix euh, du pétrole flambent, alors il est particulièrement important que nous puissions recourir à l'énergie nucléaire euh, qui ne nous rend pas dépendants, euh, sauf pour l'uranium, mais encore il y a des évolutions, euh, des, des, des puissances étrangères. Donc euh, l'opinion bouge et je pense que de ce point de vue, euh, par rapport aux français, cette indépendance de les, de, des, de, des autorités de contrôle euh, et, est, est absolument est une décision qui a été fondamentale. Euh, sinon, oui, vous avez dit, je pense aussi que euh, à l'époque euh, où nous avons été au gouvernement, le, le remplacement de centrales et la création de nouvelles centrales, effectivement, ne semblait pas s'imposer, compte tenu de ce qu'était l'évolution de la consommation et de la production, et quand tout état de cause, il était plus euh, rationnel euh, de se fonder sur ce que seraient les nouvelles technologies, c'est-à-dire euh, l'EPR. Euh Sur le fait que euh, on soit aujourd'hui en France à discuter au Parlement, avec j'imagine, le, le souhait d'influencer le gouvernement euh, sur l'accélération des énergies renouvelables, euh, ben oui, montre très clairement que on n'a pas avancé depuis on a très peu avancé depuis 20 ans. Mais comme mon propos n'était pas de m'exprimer sur la politique de mes successeurs. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sauf ce, ce constat. Euh... Voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pour Europe Écologie et Vert, Madame Lernos. Merci, M. le Président. Je crois que c'est la première fois que vous me présentez ainsi, mais peut-être que c'est le contexte de cette audition plus politique qui euh, non, euh, me permet de. Cette euh, okay. demande de M. le Premier ministre que je précise les appartenances politiques. Que, que, quoi Que je précise les appartenances politiques. Oui, oui, non, 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 c'est pas comme ça. C'est tombé sur vous, c'est. Mais certains euh, d'auditionner avant vous nous avaient demandé aussi peut-être d'avoir des chevalets, effectivement, pour mieux pouvoir nous identifier euh, lors des auditions et voir à qui ils avaient euh, affaire. Euh, avec, euh, nous sommes là aujourd'hui dans une nouvelle forme d'audition, puisque, euh, monsieur le président et monsieur le rapporteur, vous avez pris comme source, euh, notamment une vidéo du lobby pro-nucléaire qui est rappelée ici pour euh, poser une question. Euh, des propos rapportés de Monsieur Laponche qu'on aurait pu auditionner euh, et ça aurait pu être pertinent, ne serait-ce que ça aurait fait peut-être une personne qui était ouvertement anti-nucléaire et qu'on a, on s'est concentré euh, à auditionner des personnes qui euh, étaient plutôt favorables au nucléaire. Et puis euh, Monsieur Armand, vous avez généralisé des propos euh, des auditionnés. Euh, quant euh, à Superphénix, il me semble que quand on reprend la liste des auditions, euh, Monsieur Bréchet du CEA envoie un livre. Euh, Monsieur Escatard envoie EDF. Monsieur lombani euh, dit rien sur les aspects techniques. Monsieur Fervard a Bien, pas voulu M. répondre. Vous avez, vous avez un ancien premier ministre Tout qui à est là fait, pour répondre mais, à nos mais, questions. Tout à fait, mais, mais il me semble que Donc, super si vous Fénix, voulez utiliser euh, votre temps de parole pour vous adresser au président et au rapporteur, libre à vous, mais ne venez pas vous plaindre ensuite quand euh, le, le temps de la réunion découlera et qu'on en viendra à vous demander de conclure. Il me semble qu'un point majeur qui euh, était euh, à l'origine euh, de la la discussion et des propos qui ont été portés euh, pour euh, essayer de faire dire que aucun acteur n'avait euh, évoqué des problématiques euh, techniques, financières et juridiques liées euh, à l'arrêt de Superphénix et de fait Monsieur l'ancien Premier ministre a été auditionné pour savoir si c'était le poids des écologistes et des accords électoraux qui avaient prédominé et non des choix techniques, rationnels et juridiques sur lesquels nous avons été éclairés, sur lesquels le Parlement, il me semble, dans différentes commissions en 1998, a aussi permis de s'exprimer et de donner son avis qui vont dans le même sens, notamment sur les coûts. Euh, ce qui mène euh, à une question. Dans une récente interview euh, au Point, euh, vous avez dit euh, :« Quand je gouvernais, nous n'avons jamais fait les poches de cette grande entreprise pour assurer la fin des mois euh, du budget de l'État, contrairement à d'autres après nous. » Alors là, vous avez peut-être dérogé à votre règle que vous êtes fixé précédemment, c'est-à-dire de ne pas porter de jugement sur ce qui s'était euh, passé euh, après vous. Mais euh, j'aurais aimé avoir vos, votre éclairage euh, sur. Euh, euh, en tout cas, la manière dont vous avez traité EDF et peut-être cela explique-t-il aussi, en plus des soucis juridiques et techniques qu'il y avait sur Superfénix et qui ont mené à leur arrêt, en plus de l'accord avec les Verts. Et est-ce que euh, l'accord, des accords électoraux, à votre sens, sont uniquement des accords électoralistes ou est-ce que euh, ça permet aussi entre plusieurs formations politiques de discuter du, du fond d'un certain nombre de problématiques, de sujets de société et d'apporter des éléments et des éclairages technique et rationnelle qui euh, emmène et qui entraîne une décision quelque part collective sur un certain nombre d'aspects dont par exemple l'arrêt de Superphénix qui avait euh, subi des défauts techniques majeurs successifs et dont le Conseil d'État venait également euh, d'annuler le décret d'autorisation de redémarrage et donc est-ce que euh, dans les accords politiques souvent on entend politicien est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de noble à confronter euh, les idées et euh, avoir un accord là-dessus une question sur la dépendance et la souveraineté énergétique. Dans vos propos liminaires, vous avez, au moment d'évoquer euh, souveraineté et dépendance, euh, indépendance énergétique de la France, vous avez mis des guillemets. Euh, vous l'avez affirmé, d'autres auditionnés euh, ont euh, interrogé cette notion d'indépendance et de souveraineté énergétique pour savoir si elle existait euh, réellement. Euh, dans la mesure où, où euh, nos énergies fossiles sont toutes importées. Aujourd'hui, l'uranium est 100% importé. Euh, et donc, il y a une interrogation sur ce terme euh, qui est employé. Et donc, euh, vous avez fait état dans vos propos également euh, de différents euh, contrats euh, bilatéraux et une diversification des contrats avec différents États. Pour justement assurer l'approvisionnement énergétique de l'État français, euh, cela euh, ne vaut pas. Euh, Est-ce que cela, pour vous, vaut indépendance et souveraineté énergétique euh, C'est une vraie, vraie question là sur la ter le terme et la définition. Euh, sur les énergies renouvelables, euh, votre gouvernement s'est-il concentré sur l'hydroélectricité, euh, à votre sens euh, et euh, est-ce que cela, euh, vous avez évoqué le fait qu'il y a eu le début d'une filière, euh, en tout cas de l'installation d'éoliennes, le début, et on n'est pas du tout dans la même époque non plus, euh, des panneaux photovoltaïques, mais il semble que dans les énergies renouvelables, est-ce qu'il y avait une tendance à dire que l'hydroélectricité euh, plus le nucléaire était suffisant en termes euh, d'énergie euh, décarbonée euh, de euh, l'État français Une dernière question euh, qui n'a pas été évoquée, c'est la diminution de la consommation, euh, en tout cas les efforts en termes euh, de transition écologique sur la réduction de notre consommation, puisque là aussi on voit si on veut tendre à accroître notre indépendance énergétique, de consommer moins, ça nous rend aussi la moins dépendant. Et vous ne l'avez pas du tout évoqué euh, dans, dans vos propos. Donc c'était une question aussi, est-ce que ça avait été euh, un souci ou une préoccupation euh, majeure ou euh, non? Merci beaucoup, Mme Lernos. Euh, Monsieur le Premier ministre. Euh... Je ne sais plus, j'ai peut-être pas, pas mis ça dans, dans un ordre suffisant. En, en vous entendant, je pensais à une question accompagnée d'une remarque par le précédent intervenant euh, à laquelle j'ai oublié de répondre qui était le fait que dans les des accords d'achat de, de pétrole faits dans un certain nombre de pays, on comptait l'Arabie saoudite, le Venezuela euh, et l'Iran. Par exemple, On ne prendre que ces trois-là. <coughs> Honnêtement, compte tenu de ce, qui est, ce que sont les producteurs euh, de gaz et de pétrole aujourd'hui, si nous devions déterminer nos politiques énergétiques simplement sur le fondement de savoir si les pays qui exportent du pétrole et du gaz sont des pays démocratiques ou en tout cas supportables, euh, je crois qu'on aurait un vrai problème d'approvisionnement en produits pétroliers. et je ne sais pas comment on s'en passerait, si vous voulez. donc, alors, il y a des périodes de contexte aussi. Il y a des moments, de, de, il y a des périodes qui créent un contexte. Je pense qu'on ne signerait sûrement pas un accord avec l'Iran aujourd'hui euh, si nous étions aux responsabilités au gouvernement. Euh, C'est évident. À l'époque où ça a pu se passer, le régime des ayatollahs était le même. Euh, L'oppression était également considérable. Mais euh, on n'était pas face à des moments de répression violente. Donc, euh, honnêtement, euh, l'Arabie saoudite, euh, un certain nombre de pays de la péninsule arabique, euh, le Venezuela, euh, qui n'était d'ailleurs pas euh, le, le même régime qu'aujourd'hui, je le rappelle, c'est... Non, 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 mais c'était pas... Euh, c'est quand même des, des choix auxquels tout euh, gouvernement ou toute formation politique qui aspire à gouverner euh, serait confrontée très vite si elle devait utiliser vos, vos, vos critères. Donc, euh, je voulais répondre euh, sur ce point. Alors, pour revenir à, à Mme Vernus, pardon, Vernus, Lernos, Bouffon, bon, d'accord, à Mme députée. D'accord, très bien. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir construit tout dans, dans, dans le bon ordre. Euh, Effectivement, sur EDF, c'est un moment où je me suis un peu laissé aller dans la réponse euh, au point, parce que euh, la mauvaise foi de, 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 de cette enquête euh, euh, m'avait un petit peu agacé. Et donc euh, comme là, je n'avais pas, pas à m'imposer euh, euh, l'arrêt que je me suis fixé devant la Commission... Euh, j'ai dit en tout cas, nous n'avons pas fait la poche des poches d'EDF. De c'est vrai que dans la période je l'ai fait vérifier, dans la période où j'ai été au gouvernement, nous n'avons jamais demandé sous quelque forme que ce soit un financement à EDF. C'est pas le cas depuis. Il peut y avoir des raisons qui peuvent être apportées, mais c'est pas le cas depuis. Quand nous étions aux responsabilités, pendant 5 ans, euh, l'endettement d'EDF était en moyenne de 25 milliards d'euros. Il est aujourd'hui actuellement de plus de 50, je crois. Bon. Donc voilà, c'est le seul euh, élément de, non pas de réponse, mais de, de réaction à votre, à votre remarque que je, je ferai. Nous avons permis à EDF de travailler et en tout cas, nous ne l'avons pas imposé d'aucune façon financièrement, y compris pour finir euh, des fins de mois budgétaires. Euh, J'ai été un peu surpris, moi aussi, euh, à la fois de, je le dis très franchement, euh, euh, non pas l'évocation de cette vidéo, parce que je m'y attendais un peu, mais notamment de cette conversation entre un conseiller et, et, et une ministre. Que dit. Mais, alors qu'est-ce que vous avez dit Non, je mais le, laissons, 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 laissons tomber. En tout cas, ce qui était dit dans ce qui était, j'ai cru comprendre, euh, le... c'était quand même ce que disait un conseiller, non C'est ce que disait un conseiller à propos d'une conversation supposée entre la ministre et moi, c'est ça Bon, donc c'était bien le propos d'un conseiller. Ce propos d'un conseiller était assorti de commentaires, y compris sur moi. Bien. Donc, je m'attendais pas, je dois dire, euh, à une question de ce niveau, mais j'ai essayé d'y répondre. Et donc, euh, je pense que sur un certain nombre de questions, et par exemple sur euh, euh, le surgénérateur, les verts peuvent dire des choses justes. Pour moi, ils ne sont pas un critère. J'ai répété qu'ils n'avaient pas pesé de façon décisive sur les décisions qui ont concerné le nucléaire. Et je ne vois pas un point sur lequel vous pourriez dire que je mets à part Superphénix, si je veux dire, de, pendant la période de gouvernement, je ne vois pas un point sur lequel ils auraient freiné le programme nucléaire français, et même sur Superphénix, puisque l'axe central de votre commission, c'est de rechercher les raisons pour lesquelles il y a une perte d'indépendance, de souveraineté et d'indépendance de la France. Donc c'est ça qui vous guide, et c'est à ça que je dois répondre. Le fait que nous ayons arrêté Superphénix n'a en rien privé la France d'une portion de sa souveraineté ou d'une portion de son indépendance en rien et je ne vois pas comment on pourrait faire la démonstration inverse, sauf à retomber dans ce que je disais tout à l'heure, puisque cette filière a été arrêtée et qu'on ne peut pas démontrer qu'elle n'aurait pas réussi. Alors, elle était la filière miracle. Donc, cette façon d'aborder les choses m'a un petit peu surpris. Sur indépendance et souveraineté, j'aurais tendance à dire, et j'ai mis les mots entre guillemets parce qu'ils étaient dans l'intitulé de, euh, de la commission elle-même. Donc, c'est pourquoi c'était une citation, en quelque sorte, de ces deux mots. Mais les guillemets ont un autre sens aussi parce qu'ils introduisent une notion de relativité, si vous voulez. Et c'est vrai que l'indépendance ou la dépendance, elle est quand même moins relative que n'est la question de la souveraineté. C'est-à-dire qu'elle euh, a une dimension plus objective. Et l'autre terme, c'est pourquoi vous les avez bien choisis, qui est de la souveraineté, pour lequel j'ai employé le mot ou le verbe il faut la construire, c'est la façon où, dans une situation où il y a un inévitable degré de dépendance, mais en même temps, une volonté d'affirmer une indépendance sur un certain nombre de points. La souveraineté, c'est au fond la manière dont les responsables politiques, au nom du peuple souverain, en quelque sorte, s'efforcent de construire la souveraineté de la France dans des conditions qui, pour la France, ne sont pas les plus favorables, compte tenu de l'absence de son charbon, de son pétrole, de son uranium. Bien. Donc je pense que le, le, le fait de revenir sur cette distinction entre les deux mots est, est, est tout à fait pertinente. Euh, sur les économies, oui, dans, dans le plan notamment euh, qui, euh, qui a été développé par euh, Dominique Ouannet, euh, sur le plan territorial, notamment dans le cadre des contrats État région, si vous voulez, ou dans les dialogues avec la municipalité, les municipalités, la dimension des économies d'énergie était extrêmement présente. Jean-Claude Guessot, qui était le ministre des Transports pendant toute cette période, de l'équipement et des transports, a également été extrêmement sensible à cette dimension et dans les accords, là aussi, qui ont été partis, passés, euh, la volonté d'économiser l'énergie, euh, en direction des, dif des différents interlocuteurs et des consommateurs a été une dimension, une dimension importante de notre, euh, de notre travail et de notre vision des choses. Est-ce que M. Loubet euh, vous a une question Non. J'aurais, M. Jospin, juste une, une, une dernière question euh, plus contextuelle. Euh, vous vous, vous l'avez dit, je crois, dans votre propos liminaire. Euh, ce sentiment que l'énergie était euh, un sujet de technicien et devient un sujet euh, politique. Est-ce que c'est un élément du contexte euh, de l'époque où, où vous avez gouverné euh, qui vous semble aujourd'hui marquant Ce fait que euh, l'énergie passe progressivement d'un sujet technique à un sujet de débat euh, politique Ou est-ce que c'est un regard qu'on a aujourd'hui et qui est un petit peu faux en considérant que finalement l'énergie a toujours été un sujet de, de, de débat politique non, ça a toujours été un sujet de débat politique. Dans la référence que j'ai faite au contexte euh, historique dans lequel euh, euh, s'est développée notamment l'industrie nucléaire, euh, et, et aussi à propos des questions énergétiques euh, en général ou de façon plus large, je pense que ça, souvent, ça a toujours été une dimension de la souveraineté des nations, une question essentielle pour le développement industriel. Euh, qui est évidemment coloré maintenant par les conséquences de ce développement industriel euh, depuis plus de deux siècles, si vous voulez, avec notamment euh, ben les problèmes du, du réchauffement climatique. Et, et c'est ce qui fait que c'est une question euh, centrale pour les, pour les gouvernements et que j'ai considéré comme telle. C'était peut-être de façon plus, plus précise dans, dans, dans les façons de fonctionner que je pensais que... Euh, ces décisions, notamment dans le domaine du nucléaire, ont souvent été examinées sous l'angle technocratique, décidées dans des cercles relativement restreints, euh, sans une information toujours euh, suffisante de la population, et que dans mon gouvernement, avant sans doute, et, et peut-être davantage aujourd'hui où, où les débats sont beaucoup plus cruciaux, cette volonté d'ouvrir, disons, ce secteur et de considérer que. Il doit être discuté, on doit convaincre la population, notamment sur le nucléaire. Euh, je pense que ça s'est accentué, mais que mon gouvernement, à cet égard, et y compris parce qu'il a eu les Verts dans son gouvernement, donc un parti écologique, si vous voulez, euh, il a été un moment de transition pour cela, à mon sens. Euh, et donc, euh, croire que... Parce qu'il y a eu des verts dans le gouvernement, ça a nuit à la politique énergétique de la France, que ça aurait mis en cause le consensus, par exemple, sur le nucléaire. Je crois le contraire. Je pense que le fait qu'une formation politique écologique ait participé à un gouvernement pendant cinq ans, lequel a continué à développer euh, la filière nucléaire, je pense que ça a, été, ça a montré qu'y compris des forces qui avaient été jusqu'ici étrangères euh, à cette vision et aussi à, à la responsabilité le fait qu'elles aient été intégrées dans un dans un gouvernement au niveau du pouvoir d'état euh, je pense que ça a été une bonne chose et pour revenir un instant sur Dominique Voinet, Dominique Voinet, au-delà de telle ou telle vidéo euh, dont vous avez eu raison Madame de rappeler que euh, euh, celle qui l'a fête n'est pas, pas étrangère à, à certains lobbies. au delà de ça, je veux dire que dominique Voinet, euh, d'abord, c'est une femme rationnelle. c'est un médecin. elle a une culture scientifique et elle analyse les problèmes de façon rationnelle. c'est l'expérience que j'en ai eue. la deuxième expérience que j'ai eue, c'est qu'elle n'a pas renoncer à ses convictions pendant la période où elle était au gouvernement, mais elle était réaliste, elle était consciente. Pardon Pendant la période, elle a été au gouvernement, parce qu'elle n'est elle pas partie euh, pour... Euh, à propos de... C'était de l'EPR, non C'est ça Oui. Mais elle est partie pour Dole. C'était euh, différent. Bien. Et donc, pendant la période où... Euh, Dominique Vanier a été au gouvernement, elle n'a pas renoncé à ses convictions, mais elle était réaliste, consciente du rapport de force, et donc elle a accompagné une politique en essayant de donner des accents dans un certain nombre de domaines. Et donc le souvenir que j'ai d'elle, c'est d'une ministre et d'une femme loyale, quelle que soit l'impression qu'a pu donner à certains une vidéo qui a essayé de faire de de quelqu qui, quelque chose qui n'avait aucune importance, euh, la preuve de je ne sais quelle démonstration. Je, ma question était vraiment euh, d'ordre général sur la, la place de l'énergie dans le débat public. Je crois, je crois que vous l'avez dit, vous avez plusieurs fois dans vos réponses abordé la question du contexte euh, qui me semble importante. Et quand on, on essaye de faire ce travail de, de compréhension du processus, euh, comprendre le contexte de l'époque dans laquelle les décisions ont été prises euh, me semble important. Du coup, j'aurais peut-être juste une appréciation sans que ce soit sur euh, la, les choix de vos successeurs. Euh, mais en parallélisme, finalement, l'époque où, où, vous, où vous dirigez le gouvernement est une époque où on fait la transparence, on fait plus de cons cons euh, consultations des citoyens sur la, la, la question notamment du nucléaire. En tant que président de la plus ancienne commission locale d'information et de surveillance euh, qui existe en France, je ne peux que euh, témoigner de la nécessité de la transparence et de l'information en la matière nucléaire. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de parallélisme? Euh, qu'on n'aurait peut-être pas pu penser à l'origine, mais qui est nécessaire aussi dans toutes les énergies, y compris euh, peut-être les énergies plus diffuses, qui n'ont pas de risque en matière de sûreté, mais qui semblent dans notre pays créer un problème d'acceptabilité euh, euh, aujourd'hui. Et est-ce que sur ces sujets-là aussi, euh, une logique de transparence, finalement une vingtaine d'années après que ça apparaisse, parallèlement au nucléaire, euh, serait, serait nécessaire À partir du moment où il y a des problèmes d'acceptabilité, par exemple sur les éoliennes, si vous voulez, ou sur euh, certaines, certains projets euh, de barrages, des projets hydrauliques, j'ai connu ça dans, dans ma région, si vous voulez, y compris quand j'étais député, et que euh, je présidais pendant un temps euh, euh, l'Institut euh, interdépartemental de la Montagne Noire, qui faisait de l'aménagement hydraulique. À partir de ce moment là, oui, la transparence, euh, qui ne doit pas empêcher ensuite la décision des responsables, si vous voulez, elle, elle est utile dans quelles que soient les formes d'énergie, naturellement. Et c'est d'ailleurs peut être une des conditions de l'acceptabilité, la par ailleurs. Très bien. Très, très vite, Monsieur Tanguy, parce qu'après il y a un vote et j'aimerais pas reprendre après. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, Monsieur le Premier ministre, mais j'ai posé un certain nombre de questions très précises sur la politique industrielle sous votre mandat. Vous avez répondu je, avec une généralité euh, qui ne correspond pas. Je ne vous ai pas demandé des détails. Euh, je ne vous ai pas demandé si l'URSAF était intervenu sur une PME. Je vous ai parlé du conglomérat Alstom Alcatel, qui était, je vous rappelle à l'époque, dans le top 5 des plus grandes multinationales industrielles du monde, avec 75 000 employés. C'est quand même pas des décisions industrielles euh, déléguées à quelqu'un. Je n'arrive pas à croire qu'en tant que Premier ministre vous n'ayez pas eu connaissance des décisions d'un tel groupe en France. Quand la France sacrifie ses turbines à gaz, j'ai du mal à croire que vous n'êtes pas au courant. Quand vous sacrifiez des turbines qui font, qui font fonctionner la flotte militaire, aussi bien les sous-marins sous que, que, que les bateaux de surface, j'arrive pas à croire que, que vous n'êtes pas au courant. Quand je vous demande pourquoi vous n'avez pas arbitré en faveur d'un capital français populaire sur euh, la fusion de Total et d'Elf, ce pas un détail, c'est la plus grande euh, entreprise euh, de France. Et donc d'une manière générale... Euh, ça donne l'impression, si vous ne vous en souvenez pas, que, ces, que tous ces sujets qui sont au cœur, pour le coup, de la souveraineté énergétique française, euh, vous indifférez. Vous souhaitez réagir non. non, mais je, je crois, à Monsieur Tanguy, que ce n'était pas tant une question qu'une observation. Euh, monsieur, le, monsieur le Premier ministre, euh, je vous remercie très sincèrement pour euh, le temps que vous avez consacré à notre commission d'enquête. Vous avez vu que la nature des travaux parlementaires euh, a un peu changé, correspond peut-être aussi euh, à l'époque dans laquelle nous sommes, mais nous vous remercions euh, très sincèrement d'avoir participé à nos travaux, de les avoir préparés euh, et pour toutes les, euh, les réponses que vous avez euh, apportées qui permettront nécessairement d'éclairer et de contextualiser euh, euh, nos travaux. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Premier ministre. Je donne rendez-vous aux membres de notre commission demain pour la poursuite de nos travaux.